63 millions. C'est pas 63 millions plutôt. 63 980. Ouais, c'est ça, ouais, c'est grand tout petit. C'est compliqué, non, mais gros. Toi, tu vas retourner sur la grande télé, hein, c'est pas possible. Hein, ça. Ouais, bah c'est écran tout petit, j'ai pas réglé la taille des chiffres. Tu fais clic droit, augmenter non, la mais... police. Non, mais il parlait en roupie là en fait, il a pas fait la conversion. Ouais, ouais, ouais. En roupie. Mec, il est resté au prix. Petite info, au niveau des pourcentages, j'ai checké pour être bien. Il faut être à 74% au moment où on fait les premières glissades de Shiva. 54% à la sortie de Titan, 37% à la sortie d'Ebim, et 21% à la fin d'Hélio. Si on veut être bien. Est-ce que vous avez envie d'être bien? Et non, plus tard, un peu pour les tanks. J'ai cru comprendre que, tu sais, quand on se replace pour Shiva, si vous dashez, vous tombez pile sur une safe zone et vous avez pas besoin de glisser, vous gagnez de l'uptime. Ouais, mais c'est ce qu'on fait. Bah moi perso, j'attends que mon lien change et je reste. Bah c'est ce qu'il disait Shoney en fait hier. Il y a un emplacement où t'as accès au CAC sans trop de problèmes. Dasher à quel moment exactement tu pars? Bah tu sais, quand tu pars, tu te fais bump. Ouais. On glisse sur la safe zone. Après t'as la safe zone qui le devient plus, tout le monde glisse, bah ceux qui peuvent dasher, notamment les tanks, peuvent à ce moment là dasher directement sur le boss pour éviter d'avoir à glisser en fait. Et ça va placer le pic aussi bien que si vous glissiez et ça vous fait gagner de l'uptime. Après, autant que ce soit les DPS qui passent ça, non? Enfin, je veux dire, ouais, pour le coup. Si c'est pour de l'uptime, logiquement. Je disais ça comme ça, après oui, c'est... Mais c'est que j'ai vu en tout cas. Après, je pense que... Ouais, je sais pas. J'ai un peu peur pour le pic, mais... Moi, perso, je continue comme je fais. J'arrive à frapper tout le long. Normalement, c'est fonctionnel, mais le problème, c'est que celui qui aura le relier à ce pic-là va devoir plus s'éloigner que les autres, en fait. Ouais. Donc s'il est en panique et qu'il est un peu en retard, ça peut générer des problèmes. Quoi. Quelle panique. Cette présence va notre éternité. Dolvar, lâche le parse, je te vois. Oh, il est en arrière fond là. C'est tout nouveau. Mais j'avoue que c'est tentant. Ce sera Alfred. J'ai juste un petit problème d'affichage, je vais faire ça. On va ramener les Léviathans. Je sais pas comment on a fait pour pas mourir là. Non, ça passe. Non, mais les Xbox elles sont toutes petites. Ouais.
avantage, hein. Ouais. Zuber. C'est pas si quoi, hein. Ouais, j'étais pas bien placé. Sur le premier, de toute façon, il y avait un fail aussi sur le premier titre. Ouais, ouais. Lance pas tout de suite un ticket. Non, pas tout de suite. Hop, c'est bon, impeccable. Ça marche. Oh, j'ai fait un délire, j'étais passé à 30 IPS, mon gars. Ah ouais. Je fais un truc sur le PC en même temps, c'était pas du tout une bonne idée. Je recharge la clé. C'est bon, j'ai recapé à 60. C'était quoi le problème? Non, oh, j'ai fait un délire sur le PC. Je vais lancer trop de trucs en même temps, il a pas trop aimé. Mec, qui cherche la merde. Ah, Nidox, faut qu'on ouais. Fasse les tanks swap ce soir à tout prix. On va être dans la merde sinon. Tu veux le faire au taunt ou faut qu'on s'entraîne au taunt, tant pis, t'sais. Bah ouais, moi après je peux le faire au taunt, ça me dérange qu'on, pas. Qu'on le passe. Juste à taunt quand elle le fait. Faut qu'on arrive à tous les passer t'es sans un vu en fait. Aussi bientôt que moi et ça nous libérera. Vas-y, bah c'est quoi le premier là, on le fait en swap, on met pas d'un vu, ok. Bah, vous allez le faire tout le temps du coup? Tout le temps, ouais, faut qu'on s'entraîne là-dessus, on va être baisé. Parce que c'est pas la même façon de vous soigner du coup. Ouais, mais pas le choix parce que ça va nous retomber dessus sur le 3ème TB. Et... Garo d'Aramu. Ça va être la merde. Ah, ouais, ouais. Ouais, bah ça va coûter quelques tries, hein, y'a des chances. Lyra, faut que tu remontes à Tika full life avant le TB du coup. Voilà, par contre, pour le coup. Tu mets quoi comme. Y'a rien, hein, moi à ce moment-là pour relever à Tika. J'ai taunt instant. Bah, t'as des. Il a cast, dans tous les cas. Ah, ou sinon, ça se trouve le truc. Attends, y'a 3 TB de toute façon. Ouais, mais faut quand même qu'on se fasse la main. En fait, le truc c'est que normalement il faut claquer l'un vu sur le premier et sur le troisième. Ouais, c'est ça. Mais là, le truc c'est que pour pratique, autant pratique sur le premier, comme ça on perd moins de temps. Pratiquer le sous un vu. Ah non, justement. Ah non, ça va. Non, justement, on va pas aller jusqu'au deuxième TB et perdre du temps là-dessus, ce serait con. Enfin, on va être baisé dans tous les cas, Lyra. On est obligé de faire comme ça. Attends. C'est qu'il doit y avoir un timing plus serré alors, parce que j'ai taunt dès le début de l'incantation et... je t'ai fait la dérobade au même moment, t'as dû la voir. Non mais t'avais juste pas assez de vie, je pense à Tika, t'étais pas assez remonté, c'est tout. Ah j'ai pas fait gaffe, je regarde pas ma vie à ce moment. T'avais deux stacks d'un debuff ou t'as eu... Il en a eu qu'un seul, mais... Je suis mort au premier coup. Ah ouais, bon bah c'est l'étape, ouais c'est une histoire de PV. De toute façon... Ah il était à 134 je crois, 134k. Ah ouais mais bon... Oui, non, la mais moitié de ma vie, gros, c'est... Il tape à 175 le bordel, hein, donc bon. Tu avec ou sans Michi? J'ai pas. Alors attends, je vais regarder combien m'a mis. C'est bien parce que le stream pour le coup. Ah oui, bah sous CD, oui, oui. Il y avait 40% de moins normalement. Donc, Ouais, non, j'avais. Attends. Alors là pour le coup, j'étais à 72. 85. Ah, attends. Ouais, 143. Elle m'a mis 175. Ouais. Elle m'a mis 175 dans la gueule. Ah, ouais. Et t'avais tes deux CD actifs. J'avais deux. Ouais, j'avais le rempart et la délivrance. Ouais. Je peux en rajouter un troisième, mais je pense que ça va être un peu excessif pour le coup.
Bah ça dépend, le troisième tu utilises quand habituellement. Je peux garder la représailles, c'est vraiment le gros coup. Bon, ça reste un TB pour le coup, mais c'est situationnel. Donc la 2 c'est ce que j'utilise le plus, que recherche assez vite. Sinon je peux mettre le frisson de la bataille, ça va me faire. Je vais passer à 244 PV, à condition que on se suit derrière. Et attends. Juste le frisson ça devrait passer. Mais par contre. Représailles c'est combien de pourcents? La représailles c'est 20%. Et là, le rempart c'est 20% aussi. Par contre, si je mets le frisson, si. Oui, non, mais il faut soit un frisson plus. Un frisson. Un frisson plus un CD. Non, non, faut que tu fasses rempart, représailles. On s'en fout des PV en plus. Représailles c'est 30%. Ouais, 30%. 30% c'est trop. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Soit un PV, on aura un rapport. Par contre, c'est qui a un micro c'est de merde? C'est qui le micro là, ouais. C'est Nidox. Oh mon dieu. Stop. À l'aide. Mais ouais, en fait, je pense que en fait le truc c'est que tes PV qui augmentent là à 240k. Mais j'ai pas de résistance derrière. Mais je peux mettre autre ouais, chose justement. Et ça va être plus un calvaire pour les heals qu'autre chose en fait de heal 240k je pense. Alors bah, que je les peux prendre enfin, la baffe, les je peux prendre la baffe. Bon, de toute façon dans tous les cas, même quand je suis sous invue et je reste à un PV. Non mais pas de soucis, ça va le faire. Je pense que ouais, le mieux c'est rempart, représailles les deux et tu gardes ton truc de PV pour plus tard si tu veux en cas d'urgence. Mais Peut-être la petite nuit noirissime, elle peut être pas mal là. Ah non, elle est pour ma gueule là. Ah putain, ça partage pas. Un cousin juif. Alfred encore. Qu'est-ce que c'est? Ifrit Eram. Un chat fou. Allez, mon chat, petit câble. Ah ouais, c'est 218 derrière. Ah, c'est pas ça. T'as pris 218 derrière. 218 derrière. Ah, 218 c'est chaud parce que t'as 200 KP. Ça va être compliqué. Ouais, moi c'est passé. Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que Nidox ça passe. T'as quoi en tout comme c'est. Enfin, ça te donne combien de réduits quand tout est CD toi, Nidox? Je mets mur d'onde 30%, rempart 20%, donc ça fait 50%, plus, ouais. Plus nuit noirissime qui me met un bouclier de 25% du total de ma vie. Ok. Je charge plus, c'est tout dans ton choix. Oh putain. J'ai voulu te faire un ouais, secours non, mais sur soucis, non, mais t'avais ça, ton truc là. Ça va passer, là. Ça va passer. Pas passer. Bah c'est passé mais devant vous quoi, et puis à travers. Ouais, c'est ça. Ah, attends. Le truc où ton guerrier il s'énerve là, ça te fait comme un comme une portée de bras, c'est ça? C'est ça, ça marche pas. Putain, le seum. Oh merde. Ça doit être galère dans certaines situations, ça. Bon, c'est plus subtil que galère. Hein. Si t'es bien placé, t'es pour merde. Ouais. Bah, je sais pas, il reste vraiment plus rien à claquer. Non. Ah, j'y vais avec minutie, j'ai mais pas la. Oh, si, il me reste encore beaucoup, t'inquiète. Hein. Ah ok. Oui t'inquiète. On réessaye et puis si jamais c'est trop juste, on réessayera de la refaire et je mettrai la nuit noirissime sur toi voir si ça passe comme ça. Mais c'est que techniquement... Quand tu la mets sur moi, fait... tu prends rien du tout. De quoi? C'est bizarre parce que là, j'ai une pauvre, le game prend 130 et 120k. Je pense que les 200k c'était pas normal. Non mais je crois qu'il y a eu... c'est pas passé hein. Non mais après, peut-être avoir au niveau du TB, peut-être s'être altéré ou je sais pas, il était peut-être une couille tu vois. Vous le faites quand le switch? Dès le cast. Ouais, début de la barre des cadres direct.
On fait un titan là. Ouais, écoute. Ouais, mais si tu le demandes, elle le fera pas. Il est encore en chenille relatif, le boss? Non. Léviathan, Garuda. Là, je tombe bien. Je pense que tu prends tout à l'heure, à mon avis, là. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique parce que le premier et le troisième, je le prendrai en avu. Et là, je te la repasse. C'est ça. Hop. C'est bon, on a l'info, donc c'est pas. Practicez ça encore un petit peu sur la phase 1, histoire que ce soit sûr. Une fois que vous êtes sûr de vous, bah, vous pourrez reprendre à la vue pour les premiers. Mais... pour appliquer ça sur le deuxième du coup. Je vais faire une macro après. Ça met directement tous les CD en même temps. Oh, ça a manqué de mythique. Ouais, désolé, je suis en pleine réflexion. Après. Ouais, moi aussi, j'ai pas réto. Non, bon, en fait, c'est fait exprès pour retry. Et hop, je saute. Ah, mais on aurait dû la bosser avant. Bon, après, on savait pas trop comment ça allait se goupiller derrière. Donc ouais c'est ça, c'est qu'il faudra faire ça sur la deuxième en théorie sur un full fight quoi. Le problème c'est que donc il faudra que les heals soient prêts aussi, c'est-à-dire ce sera juste après les beams, il y aura un TB, c'est là-dessus qu'ils vont faire le tank swap. Hein. Ce sera pas sur la première, là c'est juste pour s'entraîner. Question, mais la première est. Après le casse du TB est très long donc ça va tu vois. Ouais. Question toute con, Attica, tu le récupères pour le deuxième TB, t'en as vu ou pas? Oui. Mais pas le troisième, c'est en fait c'est le délai entre le deuxième et le troisième, ça fonctionne pas. Par contre, le premier et troisième, je pourrais. Ok, ça marche. Donc là, c'est juste pour s'entraîner, donc le premier, moi je remettrai mon avis dessus, pas de soucis. Là, comme ça, Nidox, il sauvegardera aussi le sien, et pas de soucis. En gros, le premier, les deux prendront sous un vue. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Là, c'est juste pour s'entraîner qu'ils font ça. C'est le deuxième où ils feront le tank swap, du coup, il faudra faire attention. Et le troisième, les deux pourront le reprendre sous un vue. Donc le troisième sera OK aussi. C'est qu'il faut bien s'entraîner, parce que ouais, le deuxième, il va arriver en plein milieu. Le deuxième, c'est juste après les beams. Le deuxième, c'est dès qu'elle se déplace, elle revient au centre, il y a le TB aussitôt. On se fait bump, elle se replace au milieu. Après, prio heal des tanks à ce moment-là, parce que de toute façon, les autres ne prendront pas de dégâts normalement. Donc, il faudra vraiment heal les tanks surtout. Ouais. Et derrière, la troisième, bon, de toute façon, on se prendra sous un vue, mais ce sera pendant le raid. C'est après les lions, donc ce sera OK, on aura le temps de voir venir. C'est qu'elle a fait les beams, elle bump. Elle fait les beams, elle se remet au milieu, et elle fait les deux TB. Au moment qu'elle se met. C'est pas le stockage avant? Si, elle fait d'abord le truc chimère et après le TB. C'est pour ça qu'il y aura le temps de remonter quand même les gens. Je vais essayer de timer ma bulle juste avant le TB pour aider à la mythique quand même. Au moins tu vois ce que ça donne. Ce qu'il faut pour me remonter, tu vois. Et le deuxième au CD, je suis pas fan non plus parce que je sais que c'est Cavalcade, c'est un truc de ouf. C'est comme ça. Parce que moi, le souci que j'ai, c'est que je peux. Enfin, comme j'ai une béné à lancer sur Nidox dans tous les cas, c'est chaud pour moi de direct venir t'aider sur Attica à part un Weave, un Tétragram. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai trouvé un moyen de gérer ça. Surtout là, sur la P1, je sens de m'économiser pour la phase des glaçons. La P1, de toute façon, elle se prendra sous un vue après, là, c'est juste pour s'entraîner. Oui, oui. Là en gros, s'il faut les hits, c'est que vous utilisez les mêmes trucs que vous pourrez utiliser à la fin de la après les beams en fait, pour voir si ça passe ou pas. C'est ce que je fais. Un petit titan. Là, ce sera le partage cette fois. Il frite Léviathan.
Moi bon, je passe à 3 CD là pour le coup. Je pense que tu peux passer à 2 franchement. Ok. Bah après autant jouer safe hein. Du coup, voilà, pour la P1 on s'en fout, mais pour la P2 faudra pas hésiter à. Non non mais la représaille elle a 20 secondes donc je peux la spammer avant et c'est bon quoi. Oui. À 20 secondes la représaille putain. Ouais. Ouais, elle est pas assez pour ça, je la garde vraiment. Ah oui, oui, oui. Ah bah c'est. Il y a tous les tanks qui ont un CD défensif court, je crois. Ils ont tous les mêmes CD, bah, sauf là pour le DRK, lui c'est contre les dégâts magiques, son équivalent. Ouais. Voilà. Et le récit non, même pas, ça c'est plus le celui-là de partage, le numéro récit. C'est l'équivalent. Ouais, mais c'est le CD aussi. Ouais, ah bah oui, oui, bah quand même. Et, l'esprit ténébreux, ouais. Qui fait 30% pour les dégâts magiques. Oh merde, je suis du mauvais côté. Je vais courir comme un drap, ça. Oui, c'est moi, excusez-moi. Ouais, donc il y a moyen de s'approcher de Lightbox. Vraiment quand les glaçons, bah pour les cas, quand les glaçons sont sur le bord de l'arène. Quoi. Sinon c'est mort. Il manquait une personne à notre gauche, non? Je crois, ouais. On était deux, non, c'est bon, deux, ça passe. Deux. Oui, deux, nous on était bien, mais sur le 3, sur B, pardon, il manquait, j'ai vu personne. Ouais. Sur B? Oui. Est. Sur B, il y avait Cheny, je crois. J'ai vu personne. Il y avait c'est personne. Pour ça que je me suis barré. J'étais sur 1. Vidéo. T'es sur 1. Le après, là, t'as pas. Léa, t'étais sur 4, non, c'est normal que tu sois sur 4, toi? Bah non, c'est sur B, mais ça fait deux fois. Ouais, je confirme, mais personne sur B. Après qu'on me pique ma place. Avant que j'arrive, donc. Bah après, là, sur le premier titan, les places elles sont prédéfinies. De toute façon, le heal il sera toujours sur B. Enfin, si t'as un des deux heals qui aura le jaune et qui ira sur B. Nléa, t'es avec qui toi? Il manque une sur T'étais en 1, mais t'es. Ouais, je t'ai vu, mais j'ai pas vu. Ouais, non, c'est toi, Lira. Tu peux aller sur B, ouais, t'étais avec moi. En fait, peu importe, s'il y a quelqu'un sur B, tu t'en fous, toi, de toute façon, ta place est sur B, donc Ouais. Si t'as le jaune, ouais. Si t'as le jaune, ouais. C'est... premier truc, le orange, c'est sur 2, pour les healers, et jaune sur B. Sur B, ouais. Okay. Sur Titan, en fait, le seul truc qui peut varier s'il y a quelqu'un déjà dessus, c'est le bleu à la deuxième phase. C'est le seul truc, c'est pour ça que c'est chiant qu'il faut call. Ouais. Le reste, normalement, selon votre couleur, vous avez pris une... déjà un truc prédestiné en fait, donc vous n'avez pas à vous ajuster. Oh bah tu peux pas tout avoir non plus hein. Alfred. Léviathan. Ikaruda. Lui avec ses assiettes derrière là. Jongleur chinois. Ouh, j'ai entendu les fesses qui claquent au loin. Mmh.
Son TB c'est une attaque magique, on est d'accord? Oui. Ouais. T'as un dégât contre le... les debuffs qu'elle met, après c'est contre du perforant et du tranchant, donc pas sûr. Bah le truc c'est que si ce serait pas magique, son 30% marcherait pas et il serait enculé, je pense. Là c'est, je mets pas le 30% de l'esprit ténébreux, je mets le 30% du mur d'ombre. Le mur d'ombre c'est 30% général. Je vais tester après, parce que si ça fonctionne, ça peut être très très bien ça. En termes de healing pour les heals, ça va soulager. Méga. Tu peux rester là, Néa, s'il te plaît. C'est fait. Mais en fait, je suis complètement con, je viens de comprendre. Mon dieu. Que t'es con ? Tu viens juste de comprendre que t'es con. ça passera pas vu que le truc a pas pété. Ouais. Ah, tu sais, c'est un malentendu. Ah, bah voilà. Ah non, mais je viens de comprendre pourquoi je brain park en fait. Tu te confonds le nord et le sud, c'est ça ? Ouais. Je sais pas du tout pourquoi. La droite, c'est la main où t'as écrit. Franchement, s'il est gaucher, tu viens de le baiser. Oui, bah oui. Mais il est tout seul sur l'écran, gros, j'en sais rien. Putain, moi, non, moi qui m'en a déjà eu pour le coup en plus. Moi qui voulais m'inscrire à la course d'orientation sur Koh Lanta, putain, on est dans la merde. Ah, mais je sais pas pourquoi j'ai branded comme ça. Tu le faisais pas en plus la dernière fois, ça? Bah non, trop pas. Moi de passé, du futur. Ce présent sera notre éternité. Que j'en reviens pas, j'ai pas assez de vivre à part. Tu veux un café aussi avec ton pote? Ça sera le parfait. C'est pas grave, je vais retirer de la, ténacité. Prends de la bouffe vivant. Hein. Lol. Ramu les attends. Bon, en vrai, là, pour compenser, j'ai critique Viva et Vita, c'est pas dégueulasse, hein. T'as ton capé, toi, Vita maintenant? Enfin, Viva, pardon. Bah, pas encore, non. Encore une pièce. Et elle est chauffable ou c'est sur E12S la pièce? Non, c'est du crypto. En dessous.
On repère bien le nord et sud. Différencie le jaune de l'orange. Sur 10, ouais, je me suis emmerdé. Ouais, ça... Le sprint m'a sauvé la vie. Ouais, j'étais un peu volé ta place, mais vu que j'étais un peu proche, plus proche. Bon, moi je m'adapte, honnêtement. C'est... On était à 56, normalement faut être à peu près à 54%. Après, sachant qu'on n'a pas les popos, etc. Quoi. Le Viator, Fenway. Ouais, j'ai mis un petit bait, désolé. On était là au sud. Ça sera Garuda. Non, Ramu Léviathan, donc ça sera en plein sud. Wow. Ça, pas... ça va être compliqué. Bah, ça, du coup, même. Adaptez-vous, mettez-vous au milieu. Hein. Désolé là pour le coup. Ça va être... En plus, je suis 4 en haut, quoi. Pire que je suis. Ça va être horrible pour moi. Allez. Oh merde. Oh merde, je me suis pris le cleave. Là. C'est la droite. Sa droite. Non, notre droite. Ouais, non, du coup, j'ai pas tué. J'ai pas pu survivre. Elle était trop au milieu, moi, ça tue. Oh ouais, quand t'es 4, c'est tellement close, putain. Bah là, j'étais 4 au nord, je vois rien. Ouais. Elle était trop au milieu. J'ai oublié la méca des primo. Donc là théoriquement c'est celui-là qu'on va en tant que ça va être tendu. Ça... En vrai commencez à là, je pense vous maîtrisez le truc non maintenant enfin, à oui peu près, bah quoi. Moi je vais remettre mon avis là. Commencez à remettre votre avis sur le premier et pour mettre faut essayer le temps sur celui-là. Chronique pour la soirée juste pour ça. En vrai ça passe. Oui ça passe. Le truc que je voulais faire, je ne sais plus. Je peux regarder le replay d'un truc. Non, non, non. Mais c'est pas grave. Mettre ton armure à l'endroit. Putain, j'ai tellement pensé à la faire aussi. Gagner j'aurais... de la vivacité. J'ai vu qu'il y a des pecs dans le dos, quoi. J'entends pas les rageux. Ouais, mais... Mets des matériaux bizarres, hein, frère. Allô, tous les rageux, vous êtes où? Pas le partage. Il frite les attend. Fatika. Oh, pardon, allez, c'est trop la... Je suis en train de réfléchir au CD, gros. Excuse-moi. Non, pas de soucis. Non, non, mais ouais, laisse... ouais, j'étais en mode ailleurs, quoi. Pilote automatique, gros. Tesla. Tu mets ton invue, ouais. Oui, oui, bah, quand même, pas abusé, là, c'est une touche, ça va. Non, non, désolé, j'étais complètement... Je suis en train de me dire combien de matériel il va falloir que je retire pour que je puisse en mettre pour mettre la viva. Non, non, sans déconner, gros.
Heureusement que t'as le temps de privilège, hein, parce que putain. Ah oui, oui, bah c'est pour ça que je te dis, pilote automatique, y a pas de problème. Ouais. C'est de 43, ouais, putain, fait chier. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai respecté à la lettre. Ouais, mais, ouais, mais t'as pas encore les trucs de 12. Merci. Ah, oh, putain d'insister quoi ça. Oui, voilà, c'est ce que je me dis, sinon c'est pas ça qui me met dedans. Là. Putain, c'est fou quoi, 2 dixièmes, comment ça fait la différence? Moi, je suis choqué. Ah, ça perturbe quoi, c'est. Ça c'est la Viva ça. Tu le reste, je le reste. C'est quoi l'idée là, c'est que tu veux sortir pour pouvoir appliquer ta Viva? Bah mec, j'avais déjà fait tout ça, je pense. Non mais j'ai que de la matéria plus 20 donc il va falloir un peu plus que prévu, c'est pas. Mais sûrement pas hier, ça te gênait pas pourtant. Hier? Bah hier, si mais c'était pas aussi flagrant quoi. Repérez bien le nord et sud, faites gaffe. Et non, j'ai rechangé une pièce encore aujourd'hui. Je t'ai dit le token qui manquait. Et celle-là, je crois, elle a vraiment dû faire la différence. Ouais, ça va. Pour l'instant, on est bien. Je lève ma stance. Je pense que c'est le fier là. Ah ouais. Tu sais, déconne pas, hein. Enfin, c'est pas impossible. Tu me balances une des robots de coup ouais. Ouais, non, je vais plus pour la garder pour le TB après. Ouais. Je vais enlever ma stance. Ah, mais oui, il y a le TB à faire. Donc là, on fait d'abord les primales, les Viatan Garuda, donc sud-ouest. Ensuite, on attend le TB, enfin le Red Wild, et on la repasse au sud. Réto. Groupe. Ifrit et Viatan. Au CAC Pen West. Putain, il manquait 3 cm quoi. Je me suis complètement perdu. Bénez-moi. Tiens, c'est demandé, c'est offert. Tout ça pour la mettre dehors. Oh là là. On était à combien? On était à 37, bah on était pile là aussi, en plus on avait bon DPS toujours là pour l'instant. Tu montes d'alien, t'en as pas, t'as plus les bénés ton mage blanc, t'es plus. Je vais me retrouver sans groupe bientôt, moi. Je le sens qu'on est en train de me faire un coup tordu dans ce ciel. Yo, c'est ok pour le tank que t'as trouvé là dernièrement ou pas? Relégué statique. Franchement, je vous souhaite bon courage, hein. Tant pis, hein. Ça me donnera un motif pour aller sur WoW, je recommencerai les mêmes conneries, tu vas voir la horde d'Ivalice là-bas, tu vas rien comprendre, gros. déconne pas, j'en suis capable. Salut. J'irai jouer avec Zerator. Super. Super.
Tu peux jouer avec Enleia, c'est une streameuse super connue maintenant. Non, non, mais vu qu'il a des projets, au moins, tu sais, voilà, il pense business le type, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça, les gars. Il serait peut-être temps, hein. Ouais, non, c'est-à-dire, vas-y, développe. Ah bah, développe, gros, goodies et compagnie. Je suis très sérieux. On a déjà des pins. Ah non, mais des pins, et pins, moi, je pensais de la vente de la voiture floquée, gros. Oh. J'imagine que le mec dans sa 206 anti-balise, là. Qui veut une Twingo anti-balise. Ouais, demande à Elon Musk, hein. Franchement, c'est la merde. Ah mais faut viser haut, les mecs. Fred. Vidéo, ouais, après. Faut être les premiers à les taguer sur Mars. Ramu et Léviathan. Ah merde, quel connard. Qu'est-il ? Et j'ai eu le réflexe de taunt. Du coup, j'ai mon invu pour le deuxième. Bah, faites ça quand même autant que swap, comme ça. Ah, bah, c'est que du coup, je sais pas si j'aurais messé des mots. En vrai, y'a le temps. Le deuxième, c'est pas tout de suite. Bien au centre. J'ai l'impression d'avoir de la latence de ouf, même la... le débarrassage, quoi, comment il met du temps à partir. C'est le manque de vivacité, ça. Non, non, sans déconner, non, je suis très sérieux, quoi. Bah, après, il y a toujours eu un peu de latence sur la SF, hein. Non, mais là, bon, par habitude, on a, je sais pas combien de trails. Je le caste au début, il part à la moitié du cast. La rétorsion est pareille, elle est très longue. Bah, la rétorsion, oui, de base, mais le débarrassage, normalement, il est quasi instant. Je fais de la merde. Le rêve. Dans l'ancien air. C'est du max en 20 secondes, je crois que c'est. Ouais. Je me suis. Ouais, c'est. T'as eu le temps d'y arriver ? Ouais. Ouais, t'as des âges. Oui. Entre autres. Qu'est-ce qu'on va bientôt faire sans Superman quand même ? Grave. Ah, merde. Il vole à travers les maps, quoi. Ah, lui c'est pas Superman, mais... lui il a pas de dash encore. Non. On t'avait proposé, danseur. Si, t'as refusé à l'époque. On t'avait proposé match bleu, on t'a tout proposé. Match bleu. Non, pour Valera. Alors, je te reste toi, Enleia, tu pourras rester plus vite. Ah, mais sinon, vous sautez les mecs. Hein. En vrai, ouais. Hein. Mais si, il va nous défoncer le laser là. Ah, il a toujours ramené de plein sud. Jamais on peut le soak. Ah bah de toute façon. Ça passe. Ah non. Moi je trouve que vous manquez de volonté, hein. Franchement c'était faisable. Ah mais ça c'est le cap vivacité qui est pas atteint. La... stats sur, là-dessus sur ce laser là qu'on doit soak, on est d'accord que la rétorsion a diminué le laser. Oui, 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 c'est un dégât du boss, donc je pense que ça marque les mythiques, oui. Donc je fais Reto là et Missio sur les beams. En vrai, les bims, tu te sens pas obligé de Missio, hein. Enfin,
C'est bon, c'est une question, une question de confort en vrai, c'est tout. On prend vraiment rien sur les beams. C'est avec bien Tovar, rien. On a là le timing pour vous. Profitez-en, hein, parlez, y'a pas de soucis. Je regarde tout. Ouais, donc ce serait mieux de le faire. En fait, le seul truc qui peut te tuer pendant les beams, c'est si tu t'en prends un deuxième, parce que les dégâts, ça fait genre du 20k, c'est ridicule. Ouais, c'est, ouais, si c'est bien effectué, y'a pas de raison de mourir. Oui, t'as dit quoi, Lyra? Tu préfères que je les mette sur quoi? Je préfère que tu le mettes sur le gros beam. Voilà, le premier, là. Le celui qu'on saute au début. Ouais. Parce que moi, je mets ma tempérance dessus, donc c'est pas mal. Je peux réto missio, si tu veux, oui. Non, mais moi j'ai rien moi, sur le beam, je suis à poil en termes d'optis. Bon, c'était juste question confort, donc si on peut l'opti, c'est encore mieux. Moi je vais faire ça. J'ai une question totalement à part. Yunis, t'es calé en stats. Ou même d'autres, hein, s'ils ont une réponse. J'ai, tu sais, les deux bis en question, où il y en a un c'est full ténacité et l'autre full skill speed dessus. Est-ce que c'est problématique si je retire de la ténacité sur mon stuff actuel, que je complète avec un peu de viva, sans foutre les stats en l'air? Je pense que la viva est plus importante que la ténacité, dans le sens où de toute façon il te faut encaper en tank pour pouvoir placer tes 5... Ouais, mais je veux dire, t'es que je me retrouve pas. Là, en gros, le palier il est à 2,43 là en viva, avec le stuff là, en sachant que ben, je suis à 2,43 mais j'ai pas le full équipement malheureusement. Le truc, ça serait d'en retirer quelques-unes, le palier en dessous c'est 2,38, ce qui est là beaucoup trop. Idéalement j'aimerais bien être à 2,40 en fait. Mais pourquoi, théoriquement, si le truc c'est à 2,43 et que t'es à 2,43, ça devrait être bon. Je suis à 2,43 mais non, ça passe pas, je t'assure ça passe pas. Il y a l'animation lock qui me bloque et je suis à 4 sap fondeur. Masto sur du 2,40, hein. Bah oui, mais... Normalement, te disent un truc et que ça passe pas, c'est que, en fait, c'est... Faut jouer avec l'animation dans le sens où il faut que tu claques ton CD à la fin de ton GCD. Ouais, genre pas quand... Ouais, t'inquiète, si tu veux, regarde, au moment que je fais mon relâchement bestial, je suis obligé d'attendre justement que mon GC2 soit prêt à être utilisé. Au moment où je le claque, t'as l'animation, je suis déjà en train de spammer le sap fondeur parce que t'es encore sous GCD et ça part pas. Et arrivé au quatrième, donc le cinquième, genre je le frôle de trois fois rien. Et pourtant, c'est le premier, hein, au tout début, qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. Donc, le premier, on est d'accord que tu claques, t'es pas sous GCD au moment où ton buff est activable. Le tout premier, je suis obligé d'attendre de recharger mon GCD qui soit prêt à être utilisé. Je balance mon relâchement bestial et ensuite je claque mes sacs 5 fondeurs. Ouais, mais c'est ça qu'il faut, je pense, genre je sais pas si tu le fais, mais c'est ça qu'il faut optimiser dans le sens où en fait, faut que ton relâchement bestial, faut pas que tu le claques dès le début de ton GCD. Faut que tu le claques à la fin pour qu'en fait, au moment où l'animation se termine, tu puisses direct utiliser ton sap fondeur en fait. C'est ce que je fais. Ok, tu le fais déjà. Ouais, c'est ce que je fais depuis le début, je suis obligé de toute façon. Je suis obligé que tout est qui soit prêt à l'utilisation, d'attendre que tout soit prêt à l'utilisation. Ben... Parce que en fait, le truc qu'il faut pas, c'est claquer genre au début de ton GCD et non, au fait qu'en fait, tu perds ouais, genre littéralement comprends. Une seconde de buff si tu es encore sous GCD. Non, mais c'est... Ben ouais, je comprends ce que tu veux. Mais si tu fais ça, c'est bizarre qu'ils te disent que 2,43 ça passe et que ça passe pas. Ah, Tika, pourquoi tu utilises pas tout simplement le fait de chiner le temps de finir ton stuff comme moi? Ça me permet de pratiquer, justement. T'as ton trick. Mais si tu peux pas placer tes 5. Bah, je pouvais les claquer. Je pouvais les claquer hier. Là, j'ai rechangé une pièce et ça m'a foutu la merde. J'avais oublié, tu sais, il y a un token. Si ça passe pas de 43, passe à 2,42, 2,41. Enfin, tu diminues de 0,1 à 0,1. Et puis dès que tu vois que ça repasse, bah tant mieux, tu fais comme tu ça. Tu prends du fait tout chiner le temps de finir ton stuff. Et quand t'as fini ton stuff, tu repasses au cuisse de poulet. Moi, je vais me faire chier. Certissage direct. Ah bah c'est pour toi hein. Ouais je sais, de refaire moi, couche, moi c'est ce que je fais, normalement je suis à la cuisse de poulet, mais vu que je suis pas encore à 1050... Toi c'est, 1000, c'est 1050 ton cap? 1050, ouais. Là je suis à 1110 non Viva. Mais je crois qu'il doit être un peu plus haut mon... Bah après comme dit, j'ai pas vraiment de cap imposé en fait, c'est juste que je dois pouvoir faire 5 Delirium 200 en fait. Ouais, Si j'ai pas 5 Delirium, il faut que je monte la Viva. Et là, apparemment, théoriquement, je suis un petit peu encore. Je suis un petit peu en dessous 1050, ça passe tout de même. Après, c'est du confort, quoi, c'est tout. C'est du ça. Confort. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je fasse des tests. Même au poteau, hein, j'ai réessayé.
Ça faisait pareil. Une, mais là, une ouais, fois qu'après, je repasse avec une de poulet. Peut-être à la limite, t'as l'impression d'avoir une latence, quoi, truc de ouf. C'est. Parce que j'avoue que plus 10% de détermination, c'est pas dégueu, quoi. Surtout mélangé avec le crit. Après, c'est vrai que c'est un match un peu chelou parce que tu sais, même moi de me retrouver avec autant de ténacité, ça fait 2-3 jours que je suis en train de le dire. Je sais même pas si c'est une bonne idée. J'en ai aucune idée, c'est mon premier patch. Ah, elle passe pas. Elle passe pas, la putain. Elle passe pas, la salope. Ça c'est le genre de truc, laisse tomber, t'endors pas de la nuit. C'est le partage. Ça va. C'est le trade après là, plus ou moins. Le patoon. Pas de taunt. Putain, j'ai repris l'habitude. Ah oui, hein, c'est chaud. Hein. T'es quand t'as bien, tu t'es bien ancré à faire d'une certaine façon, là, j'avoue. Ah, c'est mécanique après. Ah bah oui. Compliqué là. Ça va être compliqué. Là je peux tenir les gens. J'ai assez de mana. Ouais, mais 3 apparaissent en même temps donc. Allez, là, je respire. Leur mana de. Plongeant céleste. Leur mana. Il court lui, putain. Oh là là. Sens que c'est plus long de toute façon. Faut le voir sur la totalité des skis. Bah, c'est comme ce que j'ai écrit tout à l'heure, tu dois avoir une virgule qui est trop élevée derrière le. Ouais, c'est ça. Ok. Si faut que tu check, c'est combien de diversité un mec qui est full stuff et faut que t'aies la même quoi. Ouais, bah, c'est... bah après ma. Il fritera mieux. En confort, je te dis, hein, j'étais à 2,38, je te dis, ouais, c'était trop. Pour te dire, je finissais mes sables fondeurs. Oh, pardon. Je finissais mes sables fondeurs et ça restait encore illuminé derrière, pour te dire, le troc. Que là, non, c'est un truc de ouf. Ça fait bizarre. Bah, après, ça a été brutal, le changement de stuff hier.
Oula, oui. Ma bête, oui. Je reste. Je rentre dedans. Moi, je me suis barré de l'autre côté, moi, je vu que je me suis fait. T'es mort comment? Bah, en gros, je suis allé à ligne droite opposée de mon pilier. Il y a Nidox et Lyra qui ont fait un clockwise dans ma direction. Comme Thierry était. Ah non, 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 moi je me suis barré, je suis pas responsable. Une embuscade. Un sabotage. Sabotage. Excuse-moi. Là, ça ressemble plus à une embuscade quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça marche aussi. Et là, moi j'avais nulle part où aller. Hein. Ghetto. Faites en sorte que votre lien soit toujours droit en fait. Normalement, ça devrait pas se faire. Si vous faites un truc en biais, vous allez niquer quelqu'un en fait, forcément. Ah, le mien il était en ligne droite, hein. On attendait juste ouais, là, je sais, mais les autres quoi. Devaient être en biais et du coup, ça va niquer. Les gens droits se font toujours niquer, tu sauras, toi. Oh merde! Oh j'ai fait mais de la merde. Je suis fou là! Oh c'est moi! Oh c'est moi! Faut que tu sois sur 4 Nidox. Faut que tu sois sur 4. Ah bah c'est que. Orange, c'est que normalement je suis sur 3, c'est pour ça. Orange de fou, non. Oui, j'étais un peu loin. Vivement la pause! Vivement la pause! Est-ce que tu penses que si je garde ma stance depuis le début, ça passe maintenant? Ah oui, ça, bah, ça passe, il faut juste l'activer. Si je te dis, tu peux la mettre après l'opener, y'a pas de soucis. Hein. Ouais, donc pas dès le début. Ah bah oui, d'accord. Et au début, au pool, toi tu dis, au pool, ça va être la merde. Ouais, bon. Bagdad. Olé. Il se passe un truc en face là. Ouais ouais, c'est pas simple. Oh le bâtard. Ça va, ça fait témoin. J'étais à côté de moi, j'ai vu le mec voler. Ça fait comme dans les films d'horreur quand le méchant il meurt à la fin. Il te chope par le bras et tu tombes avec.
les dernières matérias tout en haut, je suis obligé de les sortir sinon. Tu veux dire qu'on va encore avoir une pause de 45 minutes hein. Ah oui, bah là, c'est. Bah ouais, mais hier, vous m'avez mis la pression au cul, bah tiens, regarde, j'étais con. Non. Débarrassage. Pris au sud-ouest pour les primales. C'est Léviathan Aramu, donc plein sud. Et j'ai pas la mission. Si je la mets sur Titan. On attend le Red Wild et on la place au sud. Groupe. Ramu Léviathan. Ramu Léviathan, ouais. Putain, elle me saoule avec le 4. Ça relâche. Plein sud ou plein nord. Il va y avoir le TB et Nidox est tout seul. Ouais, je adieu. Me suis mis trop loin sous 4. Vous aimez bien. Non, c'est bon, ça passe. Pas. Ça passe pas du tout, mon dieu. Ça passe pas, mon gars. Et puis moi, le... Ah oui, il y a des provoques de partout. Moi, j'étonne comme un connard. Ah ouais, enfin. Moi, qui l'avais, j'étonne au calme. D'accord. Il y a les lions qui arrivent. Alors, les stocks, attention, c'est Léviathan et Ramu, donc ce sera plein nord ou plein sud au bord. Quand elle fera relâcher. Ah oui, non, oh, ah, mais non, là, il y a le bump. Non, le bump, il est après, il est là. Oui, oui. Non, mais oui. Là, c'est le bump. Ouais. Bah relâche donc c'est ah, pas un fallait que j'attende. Ouais, ben non. Tu peux le mettre la macro s'il te plaît. Ouais.
Dionys, concernant ce qu'on avait dit, la tâche au centre au début, c'est, je pense pas que ça va être fonctionnel. Ça va être tendu si c'est Léviathan Ramu, ouais. Ouais, ça sera pas. On va en rendre compte avec le truc où on pourra pas aller au bord. Yeah, parce que le Tolvar il a posé la sienne au nord et j'ai été bum, bah forcément dans le pas de vue. Donc là. Attends. Ah ouais, donc là pour le gros. Ouais, non, c'est pas Lyra, c'est moi qui fais de la merde. Si je la mets là, normalement, est-ce que là ça. Ouais, si, c'est bon, ça passe en fait. C'est que là en fait, Lyra, toi, si j'ai bien compris, tu te mettais là derrière le gros lion, tu mettais la grosse flaque au milieu. Moi, je remontais en me mettant un peu sur le côté, je prenais le bump pour me faire, arriver juste là pour que le lion me mette une autre flamme à côté, quoi. Après, la portée de bras, elle est fonctionnelle, hein. Ouais. Moi, nous, on est tous obligés de l'utiliser quasiment. Les 4 au milieu vont être obligés de l'utiliser. Enfin, c'est beaucoup mieux en tout cas. Ne serait-ce que pour l'uptime. Et même pour les cacs, la portée de bras pour l'uptime est mieux. De toute façon, en fait, il faut se dire au moment où il y a l'explosion. Ouais, on peut placer notre paddle nous-mêmes en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. En fait, au moment où il y a l'explosion qui bump, t'as encore un peu. Après l'explosion, je dirais que t'as 3-4 secondes avant le déclenchement des lions. Donc t'as le temps de mettre un GCD et après d'aller vers ton lion pour le positionner. Ouais, donc en fait, la Lyra, si t'as pas les liens, ouais, ça fait genre, toi Lyra, tu mets la première au milieu, moi je remonte, je me fais bump pour arriver là pour mettre la deuxième sur la gauche, et toi après tu remets la troisième sur la droite, c'est ça? Petite question vite fait, elle utilise les primales après le bump, c'est ça? Juste après? Donc d'abord il y a le bump, ensuite il y a le deuxième tir des lions. Oui, et après il y a le. Ensuite il y a le relâché, et juste après le relâché il y a le troisième tir des lions. Okay. Je vais rechecker quand même le lien tir. Ça va. Parce que moi du coup ça fait premier puddle, zone safe sur D. Je reviens sur le puddle. Je le pose. C'est la position. Non, c'est la position. Ouais, parce que là tu sais quand tu regardes la deuxième image. Tu sais, donc t'as la main voluptueuse qui apparaît, tu vois les deux îles, tu sais, genre sur les bords d'AOE de la main, et ils posent le paddle là en fait. Est-ce que ça pose problème à ton avis ou pas? Parce que toi, Tolvar, t'as réussi à la poser au milieu dans tous les cas. Oui, moi j'ai pas de problème pour la poser où je veux en fait. Ouais je sais pas. Ouais, donc ils prépositionnent les îles là, mais. Ouais, ok. Après, moi j'ai regardé la vidéo de Mikoto, il l'a posé tout le temps au milieu, après aussi. C'est comme vous voulez, après c'est comme on veut. Le mieux ça reste quand même de faire le truc où on claque la portée de bras de tout le monde, pour le time c'est le mieux quoi. Oui. Après c'est comme vous voulez, c'est plus chiant aussi quoi. Ben si ça permet de la placer nous-mêmes, ouais clairement c'est. Tu t'imagines toi, tu te fais bump dans le doigt, laisse tomber quoi. Si tu finis après, dans le paddle pour... t'es dégoûté quoi. Pour choper le timing c'est mieux de pas la claquer, mais une fois vous aurez le timing et tout, c'est mieux de la claquer quoi. Par contre, faut être bien au milieu, hein, parce que j'étais quand même pas mal au milieu, je suis quand même sorti. Ah toi, tu t'es fait bump de la reine, Nidox? J'étais bien au milieu quand même. Faudrait que je sois encore un peu plus. Moi j'utilise la portée de bras, ça me fait un truc à moi en réfléchir. Mais du coup, si on me s'est fait, je bouge plus. Bah, je pense que pour le practice, je vais faire ça, ouais. Dernier travail avant la pause. Ah, on m'entend? Ah merde, oui, je suis tombé. Ah putain. Attends, je parlais plus et ça surfait. C'est pas grave. je te parlais, tu me répondais pas. Je me suis dit bon, j'ai la tête. Non. Il veut voir comment on réagit après l'arrêt de son rôle dans le groupe. Voir si on va pleurer ou pas. Très certain, les boîtes de bâtards. On sait que t'étais pas loin, t'inquiète.
comme les box de l'enfer sur ce boss, putain. Faible. Ça va. Oh là là. Enculé. Olé. Il était venu me demander si on avait du pain. Ça faisait longtemps que j'étais, je pense. Ça m'avait manqué. Bah, du coup, quand mon micro buguait, je vous le disais par rapport au lion, par rapport au lien, de bien vous coller quand vous êtes sur 4 et 1 vers D et quand vous êtes vers 3 et 2 sur B. Genre vraiment sur le. Ouais, pour ça, il spot le nord et le sud. Ouais, parce que là j'ai vu un dragon, enfin un lion souffler un peu trop fort là quoi. Alors après, j'ai vu aussi des gens qui se mettent en plein milieu, ça marche aussi. Hein. C'est juste qu'au lieu que les coincés soient nord, ce sera ouest et est. C'est la direction, voilà. Ouais. Honnêtement, autant. Enfin, je pense que tout le monde ne va pas forcément y penser et ça risque de foutre le bordel. Alors si tout le monde se met en plein centre du marqueur, au moins on est safe quoi. Parce que, ouais, moi c'est. Les safe spots du coup hein. Les safe spots c'est nord, sud, ouest, est. C'est juste que faut que tu te mettes derrière le marqueur pour survivre et pas sur le marqueur quoi. Pour ceux qui ont pas les lions, je veux dire. Ouais. Oui, parce que moi je me mets en safe à l'est du coup, moi. Donc il me faut mon petit point. À l'est ? À l'est ou à l'ouest, je sais plus, enfin sur D. Je vais sur D. On va mettre safe. À l'ouest, ouais. Mais oui, c'est clair. Étant donné que tu dois poser tes deux faces de lion, c'est pas complexe, hein. Bah non, il parce a le temps. Que il a le temps j'ai le temps. Je verge le temps. C'est en gros, je pose mon puddle, quand le bump il apparaît, je me mets derrière mon petit dé, je DPS, quand le bump il est parti, bah je m'en vais vers poser mon deuxième... Enfin, je peux rejoindre Attica. Non, j'ai le temps. Le problème que tu risques d'avoir si tu te mets direct nord-sud en attendant que ça pète, c'est que tu risques d'être proche du lion et du coup tu risques de prendre le puddle à la place de celui qui doit le prendre. Enfin, normalement ça passe si on fait ça bien, mais il y a des risques. Mais si vu que ça. Si tu veux rien prendre, se mettre ouest-est, logiquement, au moins t'es sûr que là au moins ils prennent rien quoi. Ouais, parce que vous attiquez ça à un cac, il y a moyen que je sois derrière lui et qu'il ait pas le temps d'arriver tout de suite au début quoi. Qu'est-ce que vous appelez le paddle là? Le paddle, c'est les ouais, AOE de feu. Au nord et au sud. Ah, c'est ceux qui lâchent les gros lions au nord et au sud. D'accord. C'est la pause du coup là? Oui, là c'est la pause. Ouais. Ouais. Ok, bon bah je reviens, j'ai chuté la tisane. Vieux con. La grosse flaque de feu qui met par terre là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le puddle. Ça one shot cette connerie si j'ai bien compris. Si tu as deux stacks sur toi, ouais. C'est pour ça que c'est chacun son tour. Là en fait la première elle va vraiment déterminer, faut qu'elle soit bien les premières faut qu'elles soient bien placées pour bien que les autres le soient aussi. Si c'est un peu trop décalé à gauche ou à droite ça peut foutre la merde. Vu qu'on aura besoin d'emplacements bien précis. Si on doit aller se réfugier derrière a priori au moins. Donc... vive. Non. En vrai, les lions, en vrai, j'ai plutôt bien assimilé le bordel. Hein. Dans les grosses lignes,
Bah, c'est... Faut qu'on tourne à tous les postes, en fait. Faut qu'on tourne à tous les postes. Ça, y a des... Il y a des petits détails que j'ai pas, mais dans les grosses lignes, vraiment, je... Bah, c'est la mécanique difficile de la PA, mais c'est, moi perso je la trouve plus facile que les glaçons, enfin que les glaçons parce que t'as moins le côté random des placements. C'est un peu plus lisible. T'as pas des liens qui partent dans tous les sens. Quoi. Mais je comprends pas par contre parce que sur la vidéo de Plava en fait, t'as les gros tigres nord et sud en fait, il les fait pas souffler nord et sud, il les fait souffler sur le côté, je sais pas si tu vois. Genre celui du oui. Sud il souffle à l'ouest ouais. Et celui du nord il souffle à l'est. Parce qu'il y a déjà la marque au milieu et quand tu te mets à gauche, forcément. Ah, mais oui, je le connais, mais oui. À gauche. Oui. Obvious. Captain. Ah, bah oui, non, mais. Oui, ta question de merde. J'en regarde plus trop, Plava, perso. Même lui, ça se voit, bah là, les guides, ça a pas trop suivi ces derniers temps. Hein. Voilà, bah c'est beaucoup beaucoup plus de boulot que ceux de Mikoto quoi. Ouais, clairement. Non non mais même ça se voit il est à la traîne. Il est. Alors déjà il les sort plus tard mais là pour le coup il a mis du temps à la sortir européen déjà parce qu'il a mis du temps pour la clear mais c'était compliqué quoi. Ratkou. Ouais, il manque torse et bague et full stuff quoi. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si j'ai du skill speed dessus. Pas forcément. Peut-être sur le torse, je pense. Tether skill. C'est qui siffle du nez. Oh mon gars. La 535. Ah, ça abusé. 531 de critique. Ah non, mais c'est abusé gros. Déjà qu'avec plus 368 sur la 530, tu critiques comme une pute. Ben la 530 là, t'as combien? Je suis à 526 là. De critique? Ouais. Je suis à 366. 368 plus 120. Je suis à 526 là, sur celle du War. Putain, t'avais... Nidox, t'avais un... Il y avait un DRK en roulette, experte, qui avait la 535. Et le mec, je sais pas, enfin son groupe de statique, ça doit être des gros bâtards, parce qu'il était en quasi full exercha, avec 2-3 pièces de merde, et il avait juste la 535. et les Crystarian 530, quoi, c'est tout. Ah mais l'exercha, il est bien, hein. Franchement, il est vraiment bien même. Hein. Bah en tout cas, il le laisse pas looter. Ah ouais, mais... Bon, ouais, il est bien, mais après... Il en a peut-être pas besoin, parce que s'il a déjà la 535, bon, il doit pas être mauvais, le garçon, quoi. Non, sûrement. Ou soit il a looté la 535 TRK et il a dû reroll. Ou soit il a juste lâché 45€ au chinois. Possible. Ça se fait, ça. C'est pas ça bon. Qu'il nous a dit à un moment Ah merde, Lunis, il a coupé le micro. Enfin, en tout cas, je sais que sur vous, ça se faisait. Ah oui, ça se fait. T'as des, Y a des groupes même, tu payes, je crois que... J'avais un pote, il avait payé pour Titan Extrême à l'époque. C'était 6 millions. De Gilles. Ouais. Non mais là en euros. Non, d'euros gros. Tu vas sur un site, tu payes ton bordel et c'est puis une ça. Fois que t'as payé, les mecs ils te groupent et hop c'est ils font ça. Ton bordel. C'est ça. Après pour la réalisation, putain les mecs ça doit être des cadors. Hein. Parce que nous on se voit déjà, t'en as un qui calanche. Ah, c'est on saute. Je sais pas s'ils auraient pas du cheat. Hein. Je sais pas. Ils ont des bases qui forment, t'inquiète. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, ça doit être quand même vachement plus chaud de faire ce système de vente sur FF, parce que quand tu regardes, il y a vachement plus de problèmes unitaires sur les personnages que sur WoW, quoi. T'as vachement plus de mécaniques qui peuvent dépendre que d'un seul type, tu vois. C'est si ça. Vraiment le mec qui paye son truc, il est full PL, bah mais les mecs à côté, ils peuvent rien y faire. L'off tank sur E5S, quoi. Ouais, tout comme ouais, même là sur les lions, si le mec il sait vraiment pas ce qu'il fait, t'as beau avoir un groupe full opti, ça passe pas quoi. Après t'as une autre solution. T'as une autre solution, c'est tu payes et ils te prennent ton compte et ils jouent à ta place. Ouais, aussi. Ouais. Aussi. Alors que parce que là ce serait. Parce que dans un groupe, tu te laisses mourir et puis ils implosent le boss, fin de l'histoire. Oui, sur WoW c'était pas l'unité, hein, c'est. Ouais. Y'avait pas, j'ai même, en vrai, sur WoW, j'ai, là comme ça, de souvenir, j'ai même pas de mécanique où si un seul mec foire, ça fait péter tout le groupe. Hein. Bah, à part si tu fais un Leroy Jenkins quoi, mais. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre une mécanique où si tu veux un truc individuel.
si vraiment un truc individuel, le mec meurt, genre même un pas... DPS ou un truc comme ça, tu vois. Dans FF, ouais, c'est je vais pas souvenir. Je pense que c'est bien. C'est le fait d'être à 8 joueurs, c'est qu'il y en a un qui fait, même un DPS, bah t'es limite mort en fait. C'est même t'es mort. Alors que sur WoW, t'es à 15, t'as je sais pas combien de DPS, il peut y avoir 2-3 DPS morts, tu t'en bats les couilles. Quoi. Après, tu vois, ça dépend de la mécanique aussi, ouais, mais j'ai pas de. Ouais, mais en vrai, le système de rage, il est moins violent, je trouve. Non, c'est pas le même délire, de souvenir. Un jeu d'homme. Le système d'enrage, il est moins greedy, je trouve. Enfin, je trouve. Après, non, mais globalement, contre... WoW, c'est plus facile. Hein. Beaucoup plus uptime friendly, je trouve, de jouer sur FF. Facile, je sais pas. Je dirais pas que c'est plus simple, quand même. Enfin, non, en tout cas, le MM est plus dur, je pense, que le sadique d'FF. Hein. C'est pas trop le souvenir que j'en ai. En fait, c'était même pas comparable, les deux, quoi. Le truc, c'est quand après, tu vois que... Ouais. Que le... quand il sort un raid sur WoW, il met une semaine voire plus à tomber déjà le dernier boss du truc, alors que nous sur FF c'est torché en même pas 24 heures. Bon. Ouais, mais la différence que t'as, c'est que t'as la plus du... Team, c'est pas ça, c'est juste que déjà les raids dans WoW, tu tapes des mobs entre chaque truc, les donjons sont 4 fois plus fat et c'est pas que du combat de boss quoi. Un mec qui joue bien sur FF, tu peux il peut se démarquer, gars, c'est comme on disait, Mikoto. Le mec, tu lui donnes un groupe, bon, c'est de la PF, quoi. C'est des groupes wall again. Le mec, il arrive à voir ses clés rapidement. Je pense qu'il, voilà, le gars, il arrive à te mener ça comme un chef d'orchestre, voilà. T'sais. Bon, forcément, les mecs, ils ont dû faire la part du taf aussi, mais ça doit être une force de nature. T'sais, sur le jeu, j'entends. Hein, c'est... il doit avoir un talent, quoi. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais je sais pas, c'est juste. En fait, on les compare parce que c'est des MMO, tu vois. Mais vraiment, en fait, quand t'as fait les deux, je trouve vraiment pas que ce soit comparable, en fait. Non, les deux sont très différents l'un de l'autre, François. Ils sont très différents l'un de l'autre. Déjà, juste le débat les 5 secondes de GCD sur FF. L'esprit est différent. En fait, ce qui fait la force de WoW, c'est en même temps ce qu'il tue. C'est son esprit un peu PVP, etc. Et c'est que du coup, derrière. Ils ont créé le truc avec de la bonne volonté, mais force est de constater, et on le voit bien depuis le nombre d'extensions qui passent, et que c'est toujours la même rengaine, c'est pas possible d'opter un jeu pour le PVP, le PVP sauvage et le PVE. Sur le même, tu vois ce que je veux dire, sur les mêmes stats de sort, etc. Si tu vas en PVP, tu vas en PVE, etc. Enfin, je veux dire, tes stats ne changent pas, tu vois ce que je veux dire. Que tu sois un sauvage. Il y en a combien à l'époque des Wrath of the Lich King qui se mettaient full stop PVE, qui arrivaient derrière, qui faisaient une embuscade, fin de l'histoire. Oui, non, mais c'était totalement débile. C'est... Ou même l'inverse, moi ce qui m'en défaut, parce que j'étais pas un joueur PVE, c'était les mecs qui se stuffaient full PVP et qui allaient clear du PVE derrière. Oui, bien sûr. Plus facilement que des mecs qui avaient le stuff nécessaire pour juste rentrer dans le donjon en PVE, quoi. C'était quoi à l'époque ça m'en défaut. C'était quoi? C'était à l'époque de Burning Crusade, il y avait la résilience. Oui, qui rendait le truc pété. Et en PVP, il y avait un mec full S4. Laisse tomber, et t'avais deux voleurs dessus. Le petit escape du rogue, il était dégueulasse, mais qu'est-ce qu'il était bon. T'avais deux rogues dessus, ils étaient sauf PVE, je crois, le paladin S4. Allez, c'est bon. Blague. même déjà le rogue S4 qui t'embouche, fin de l'histoire en vrai. Embouche, éviscération. Tu dois. C'était chiant, c'est les doubles mages Pyro Burst, là. Non, je sais plus ce que c'était. Arcane Feu. Ouais, les pompes pyro, ouais. Ouais, c'était bien, ça. Personne dans l'arène, tu faisais « Putain, c'est dommage. » Tu faisais le petit truc, là, pour voir quelle classe c'était. Les dommages, tu les voyais pas dès le début, tu faisais « Ok, c'est la merde. » C'était la belle époque du mage. Oh, le mage n'a pas forcément eu d'époque tragique, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais je mets beaucoup Vanilla, Burning Crusade. Le seul moment où je faisais du PVP, c'était sur Vanilla en Arcane Feu Pyro instantané et tu one-shotais des wars. C'était génial. Bah oui. Ouais, c'était comme ça que je le jouais, hein, mon mage. Ouais, mais tout le monde le jouait comme ça. Moi, sur mon serveur, je me faisais trash talk, moi, parce que je jouais. Je jouais SP Feu Arcane et tout le monde le jouait SP Givre. Oui, moi, parce que c'était fait pour le PvP. Ouais, en fait, c'est que t'as beaucoup plus de contrôle. T'as beaucoup plus de contrôle et même au niveau des critiques, t'es quand même vachement à l'aise. Bon. Tu burst, tu TP, c'est fini. Au revoir. Oh.
Il n'y a pas les marqueurs à Tika. Ah bah attends, t'inquiète, il y a 15 secondes. Bon. Il y a des gens qui ont déjà la tête dans le guidon, hein, écoute. Ouais, mais en fait, c'est mort parce que j'ai pas lancé mon séraphin. Ah j'ai ben, pas et, au lieu de parler. Bah oui, mais tu m'as pas laissé le temps. Hein. Tu ne m'as. J'aurai un peu de retard. Laissez le temps. Ah, j'ai pas osé. Vous voulez reset? Non, non, Oh, normal, on va mourir dans 2 minutes. Le truc, c'est qu'il a pas sa séraphin pendant. Ah, pendant bah la vas-y, guerre, bon, saut. Ah, si, si, je l'ai du coup, mais je vais pas le claquer quoi, mais. Ok, ok. Moi, je peux juste heal un peu plus au début et c'est bon, c'est la mort. Je suis sûr qu'il va se venger de toute façon. Bon, il y a un secours qui va partir. Hein. Ah bah merde, la fée elle est au chômage, il veut dire. En vrai, c'était presque ça. Hein. J'ai décalé tous mes CD du coup. Ouais, c'est pas ça. Mais dans son cul. Lequel? Ah. Tout Jésus. Il y a un peu 6 paires de jambes quoi. Oh merde. Non. J'avais pas vu mon pylône, ça c'est de ma faute. Je croyais que j'étais relié à celui derrière moi, mais non, c'était pas celui-là. De toute façon, t'auras pas le temps de courir, j'allais dire assez. Ça va être compliqué. Ouais, Nia elle est mort. Nia elle arrive, mais tout c'est qu'elle tu peut pas arriver. Tu peux la Zachika si tu veux, Nia. Elle aura pas assez de mana de toute façon pour essayer. Vous sautez, gros. Bon, oh, attends, il y a peut-être moins. Attends, attends, ça arrive là. Ah. Bah, il t'hésite, vient de sauter. Ah. Ah, la bague a sauté. Le vaisselier est tombé. Le matin. Ah, tu m'as fait penser de ça, la petite lampe qui bouge tout seul dans la Belle et la Bête là. la théière, gros. C'est bon Lyra, je peux lancer. Oui. Je vais vous... Non mais en vrai je vais te laisser lancer le décompte. Hein. Ah mais tu vas partir comme quand j'avais l'astro quand même. Je faisais ça. Ah oui c'est vrai. Oui oui bah oui. Non mais en vrai si tu veux je mets 35 secondes. Bah, 21 secondes c'est vachement chiant quand même. C'est bien 3 minutes. Non mais les astros c'est très bien. Ah c'est vrai d'ailleurs. Voilà, tentative de coup avec, avec le opener à 21 secondes là. Ah non mais moi je lui mets 24 minutes s'il faut, moi y'a pas de problème. Un try par heure. C'est ça. 3-0 de l'heure c'est ça? Ah, pas mal. 3-0 de try. Donc ça passe en FTT gros. Ah d'accord. Ah. Je te jure, je vais avoir le prud'homme, je vais recevoir une lettre du prud'homme, je vais rien comprendre à genre. Attends, j'ai pas mis un seul crit sur l'histoire où je vois crit. J'ai envie de rejoindre Papa Johnny.
Salut mon pote. Salut mon pote. Ça passe, 2,39. 2,39, ah ouais, t'as... Ah ouais, j'ai broqué le truc. Bah j'ai suivi le deuxième bis. Oh, merde, la portée de bras, trop tôt. NLR en sueur. Tout va bien. Merci NLR. Putain, tu heal bien, tu soignes bien, t'as compris. Calme-toi. En vrai, dans l'ensemble de ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tolvar, tu comprendras que quand je dis quelque chose, il y a toujours une raison. Ouais, bah. C'est le pourcentage réel. Disons qu'il y a des entreprises qui prennent ça pour du harcèlement sexuel, après je dis ça. Non, du tout, alors là, non, je suis quelqu'un de très respectueux. Ah non, on voit son talent, pas son cul, ça n'a rien à voir. Ah, là, franchement, en tant que chef de CL, là c'est bien. Puis il y a la femme pas loin. Oh non, mais même, c'est bien un truc que pourra jamais me reprocher, ça serait bien ça. Oh bah, j'ai pas de doute. Ah bah, ça j'espère bien, mais t'es ré, sinon t'es viré. c'est un truc qui me supporte déjà. Non, c'est pas possible. Ça m'énerve, je suis en colère, allez. Bon allez, on se focus, on va pas s'en changer. Je vais aller chez les madafuckers là, je sais pas quoi là. C'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y en a qui savent de quoi je parle. Ah, c'est vrai. Peut-être bien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais tu vas me reprendre ce boss, putain! Bah, mec, fais des robots, non? Mais non, y'en a besoin pour après! Allez, prio sud-ouest pour les invoques. C'est via Tangaroda, donc sud-ouest, au cac. Après le Red Wild, on attend qu'au sud. Ce sera Ifrit Rami, on pourra se mettre plein est ou plein ouest. Ah le bâtard! Oh, ah, c'est Tarba ça! Ah c'est bon. C'est alors quoi ça? Ah ouais. Ah ouais. Eh mec, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est intéressant, ma foi. Voilà, là, là, là. Alors regarde. Breakdance, c'est ça. Alors regarde le stream. J'ai respecté à la lettre. Je suis parti. Tu sais, il y a eu le partage. J'ai monté un peu plus au nord pour voir mon lien. J'étais un du sud. C'est pas. Je suis parti donc forcément au sud. C'est un truc de ouf, c'est le pattern à ne pas avoir ça. Mais quel pattern? Y'a quoi qui a changé? Ben, Nibox qui a repris l'aggro et elle s'est tournée plutôt. Ah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. C'est plutôt ça, oui. D'accord, attends, faut regarder le truc en son. Parce que là, le cleave il était un peu nord-sud quoi. Ça. C'est peut-être là, aussi. Plutôt ça, oui. Complètement nord-sud, oui. Faut regarder le. Attends, là il y a le partage. Non, c'est. Il a tourné et. C'est en tournant. Ah ouais. Bah, regarde mes déplacements, gros. Comment je peux améliorer ça?
Il faut que t'attendes qu'elle fasse la main. Mais mec, faut que j'aille relier le sud au moment que j'ai relié le tir, il est parti. Ouais, mais t'inquiète. Oui, franchement, on regarde entre quand elle fait la main et quand le truc il se fait. Ah ouais, j'avoue, t'es un troller. À ce point-là. T'as vraiment le temps, t'inquiète. Hein. Oui, elle fait pas le rayon laser avant la fin du cleave. Hein. En fait, c'est ouais, à partir du moment où elle casse la main, c'est là où tu peux bouger et t'as vraiment le temps, entre le début du cast et la fin, t'auras vraiment le temps d'aller au sud, t'inquiète. T'es autant que tu te fais niquer, t'es même temps que tu te fais niquer. Putain, mais... On est content. Je vais faire une Rudy, moi. Ça tombe bien, y'a une tête. C'est pas mal. Alors là, toi, va t'asseoir. Reste à ta place, toi. Putain, vas-y, j'en ai marre, chaque fois j'ai des trucs à la con. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est passé 100% des fois, le cleave est là, d'un c'est... coup c'est nord-sud. Ah bah non, mais là c'est la première fois que j'ai eu un sud, gros. C'est la première ah. fois. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est... Bah en même temps... Non, mais en vrai, t'inquiète, t'as large le temps, vraiment. Ok. Et t'as vraiment... En même temps que la main. La fin de la main. En vrai, je suis juste focus sur mon chiffre à ce moment-là où je dois aller, hein. C'est tout. Une fois que t'as ton chiffre, remets-toi juste au nord, le temps qu'elle casse la main, et après tu bouges. Et on parle du chiffre, on parle pas de chibre. Si c'est le chibre, j'y vais tout de suite, là. Oh, t'as le chibre 3. Je vais vous laisser entre hommes. comme les Grecs. comme les Grecs. L'ambiance de bien spéciale. Ouais, c'est dire, ouais. Ah, il y a un arc-en-ciel au-dessus de nous. Garuda, les gars. LGBTQ plus racine moi, carrée. Moi, je vais pas pour une ambiance partiellement homosexuelle. Hein. Bon, franchement, je suis pas chaud. Hein. Désolé, hein. La tolérance, ok. Bah, mais... Y a Sora Wish arrive, les gars. Hein, donc, Ah, bâtard. Imagine. Bah, Juru, il est pas gay. Et non. Si, je crois. Non, lui, même, non. Même les animaux. Que Lulu, il aime tout, lui, du moment que c'est mineur. J'aurais tellement dû la perdre. Non, mais t'as déjà vu les clébards en rut là, tu sais, quand ils ont le bassin qui bouge tout seul, l'autre fois, il a vu une girafe passer, il est standé, il a fait pareil. Maintenant, le lève, il est pas gay, je crois. Mais là, le Red Mage qui va arriver sera et... Wish. Puis, Il est pédé comme un phoque, hein, gros. Elle est copine. Oh là 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 là. C'est la fin du jean moulant pour nous deux. Tu mets. Franchement, tu mets lui plus Solaris. Ah ouais, laisse tomber, gros. Tu vas faire une émo de claque sur Nidox. Oh là. C'est le drame. Nidox, demain. Il va me faire couvert, il va me mettre des claques, le bâtard. Nidox, oh. Imagine demain, il y en a un qui rentre dans le groupe et tu fais des petites avances et tout comme ça. Tu réagis comment? T'inquiète, hein, non, t'inquiète, je teste pas. Hein. Moi perso, je vais voir un marabout, je le maudis sur plusieurs générations, un truc du style. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est obligé de préciser qu'il teste pas. Perso, je veux même pas d'ambiguïté et je pense que ça. Ouais, je pense que je me ferais bien comprendre, quoi. Ça vous dégoûte à ce point? Ben, franchement. Non, mais ça me dérange pas du moment que c'est pas dans mon cul, c'est de j'essaie. Ça veut dire que dans la vérité, tu perds. Si t'es au-dessus. Non, mon tonton, il est gay, j'en ai absolument rien à foutre, tu vois, mais il me tape pas le cul, quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, bah ton tonton. C'est pour en plus. Ah, mais tu vois ce que je veux dire. Oh, bon, c'est totalement bizarre. La gay et gay folle. Ouais, t'as gay consanguin, quoi, c'est... Ouais. D'accord. Gay folle. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est normal. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. T'as des mecs, s'ils te disent pas qu'ils sont gays, tu le sais pas, et t'en as... Non, je vois pas, Nidoc, explique-nous. On a là de mon table. Aïe. Oh, mon Dieu. Voilà, aïe, ça s'énerve. J'ai aucun problème avec ça, moi. Et j'ai eu un assez grand nombre d'amis LGBTQ+, alors... Racine carrée.
Bah, entre les trans et les gays et les lesbiennes, j'en connais beaucoup, ouais. Ouais, non, mais après, c'est... Voilà, mais après, j'ai des gosses... Ah, moi, j'étais en coiffure, s'il vous plaît. Ah ouais, bah, laisse tomber, toi. Ou CFA, ça doit être quelque chose. Arrête, non, je suis dans un salon de coiffure, un jour, je crois que le mec qui m'a coupé les cheveux, c'était le gars le plus viril que j'ai jamais vu. Ouais, ouais, bah, c'est... Ah oui, j'ai eu un patron, c'est pareil, il était... C'est celui qui est dessus, pas dessous, en fait. Et il masse la tête comme un dieu. Non, mais pareil... Ah bon, bah il est gay, j'ai un petit. T'as pas gagné ça? Il y a une petite détail chelou. Non, mais l'autre il va au coiffeur et chope une demi-molle. Le mec il est habillé tout en cuir, j'ai jamais vu un mec aussi viril. J'adore ton glam. Soit qui part en coup. Non, elle va rester. C'est le coiffeur qui est parti en coup pour le coup là. Ah mais c'est bien, il faut des gars comme Nidox, plein de... voilà, faut, c'est conservateur, il est un peu comme moi, c'est bien. Fuck les progressistes. Tellement nuance. Il me fait trop rire ce mot. Ah putain, progressiste. Ça le fait. Ça me malade ce mec. Non mais quand t'as des gosses, voilà, tu peux pas penser binaire quoi, c'est pas possible. Et si votre enfant est gay? Ah ben, y'en a plus. Ah mais moi j'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire, tu devrais y penser, les filles et tout c'est sympa. Hein. ça passe mieux quand c'est les filles. Ah les couilles moi. Je l'amène garde du Nord à Bruxelles, je vais te rechercher dans une semaine. Bon, alors là, faut aller. Au goulag. Frère. Pas de beau fils, trop heureux. Non mais t'as une fille gros, mais demain t'as un fils. Justement. Prends moi le malin mec. Bon. Très honnêtement, si j'ai un fils ou une fille un jour qui soit gay, je m'en tamponnerais royalement. Ouais, pas de descendance, non, des gosses qui te ressemblent. Ils adoptent, hein. Y a pas que les jeunes dans la vie. Hein. Ouais, y a les mères porteuses. Ouais, bah, c'est pas légal. Mais... Moi, c'est pas mon délire. Ouais. Là, c'est justement pour ça. Ouais. Les parents 1, parents 2. Tant que les gens soient heureux, ça pose pas de problème. Ouais, non, mais tu peux être heureux. Voilà. Après, adopter un chinois, c'est rentable. Hein. Ouais, aussi. Là, alors là, ok. Comment ça? Bon, là on parle fric derrière. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il parle business, ça va lui plaire. Là, ça passe. Ah, en vrai de vrai, dans le fond, Tolvar a raison, mais de savoir que ton nom s'arrête, c'est pas possible. Grave. Bah, qu'est-ce que tu fais pour les nanas qui se marient et que leur nom s'arrête aussi? Ouais, mais c'est rien à voir. Oh mince, mais. Je suis trop conne. Désolé, j'ai. Ah, t'as une. L'émotion dure. T'as une révélation. Merci. T'as une révélation, Léa. C'est pas grave, on t'accepte comme tu es. Vous êtes à écouter. Non, moi non, ça suffit. J'ai perdu ma meilleure amie pour ça. Comment ça? Elle était amoureuse de moi. Ah! Ah, c'était une bonne meilleure amie alors. La pauvre. Bah, la pauvre, t'avais qu'à dire oui. Oh, faut les faire sortir. Bah, non, mais on était. Enfin, ça m'intéressait pas, mais... Bah fallait simuler, arrête d'un moment faire des efforts. fallait mitiger un peu plus. Ouais. Tu crois qu'il y en a pas. Je vais sur Didier du coup là. Ah bah non. Tu peux faire un secours sur mon cadavre s'il te plaît? Moi je suis vraiment un enculé. Non. J'ai plus d'MT, je fais pareil. Moi j'ai pas mon cast rapide. Je suis bien placé, ouais je suis bien placé, c'est bon. Oh, le PGM même dans la mort quoi. C'est bon, je les reste. Merci. Ça s'appelle le talent. Même la mort elle est optique. Strat mort uptime. On aurait pu l'appeler ça dans le Yann quoi. Allez, pris au sud-ouest. Léviathan Ramu, mon plein sud. Léviathan Ramu.
je refais. Red Wild apprend la position au sud. Ok, on partage avec les groupes. Estac, Ifrit, Ramu, donc ce sera plein est ou plein ouest. Au bord. Donc là, vous écoutez votre numéro, ATK, après tu reviens au nord jusqu'à Kfekas. 4. 4, bon bah les couilles. J'arrête pour une fois, gros. Oh, c'est la merde. Attends, y'a un problème. Attends, mais c'est quoi le délire là? Ouais, j'étais pas sûr. Oula. Oh, c'est quoi le délire, gros? Ah, c'était un petit. Mais elle le faisait pas ça avant. Le bar. Non, mais pas. Putain, ils ont changé un truc cette nuit ou quoi? C'est quoi le bail là? Attends, on va. C'est quoi ça? Il y a une abeille. J'ai déjà fait ça. Wesh. Une abeille qui est passée. Ah, t'as chelé toi? Mais non, mais t'as encore bougé trop tôt, en tout cas. Bah, je bouge comme d'habitude, hein. Ouais, non, mais je te crois, mais. Tu penses que j'ai mis trop de viva? Je pense que c'est la vivacité de Wakaman qui. Non, mais mec. En fait, c'est que du coup, t'es trop rapide, t'as trop de diva, le boss, il arrive pas à te suivre, en fait. Faut vraiment que t'attendes qu'elle commence à caster, hein. Ouais. Non, mais les fois d'avant, ça passait, franchement, je vois pas ce que j'ai. Ça, c'est un truc. Parce que là, en fait, tu t'es positionné sous le boss. Mais du coup, ça a dû. Comme t'étais vraiment sous le boss, ça. Elle s'est. En fait, c'est quoi ce lira? En fait, je le fais exprès. Je le fais exprès. Si tu restes dans la bonne orientation, c'est bon. Tu peux te mettre sous le poste en restant, mais sans te mettre trop dessous. Là, ça marchera. Ouais, faut que je reste au nord. Oui, il faut que je reste au nord devant elle, quoi. En fait, tu te mets en plein sur la. Tu restes sur la statue du nord, peu importe, même si t'es relié au sud. Et t'attends qu'elle commence à casser la main. Dès qu'elle casse la main, là, tu positionnes que tu dois aller. Ouais, bah, je vais mettre ses pieds face à elle. Fais des tests là au pool. Si tu veux commencer à aller au milieu, si jamais tu veux, il n'y en a pas besoin au pire. Ça marche. Moi j'ai une question, ça n'a rien à voir avec le boss. Pourquoi Lyra elle a des gants, on dirait des lanternes? Enlève ton livre, te cache pas. tu sais que genre le skin, je l'ai depuis pratiquement un mois et demi. Oui, hein. C'est vrai. Non, j'avoue, on dirait un truc. On dirait un autre des appareils de cuisine, tu sais. Ah, c'est des figures au point, ouais, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui. Laissez-le tranquille. Ouais, nana, je tape avec les points. Ah, c'est énorme. Ils sont assortis avec mon livre d'ailleurs. Putain, le mec, il est néon dans la nuit, quoi. On est bien barré entre l'autre avec son armure à l'envers, l'autre, c'est lanterne. Sortez vos cartes orange, ouais. Ouais, j'ai pas fait comme un gros bâtard. Ouais. Tangaroda. Oh, j'ai fait le grand-père. Pour ça, ça fait le grand-père.
Putain, pourquoi je suis mort? Je reste. C'est trop au centre. Ouais, trop, j'ai dû prendre une trame. Ah. T'abuses, tu forces. Le mot sort de l'extrême. Le mot, il était par là, j'étais obligé de prendre. Putain, j'en ai chaud, mais putain, ça me pique la gueule et tout. Quoi. Je vais mettre un coup de boule quelque part. Quoi. Là. Bernard. Ok. Dédé. BBD. JPP. DPD. Oh les forces. 3. Comment ça aurait jamais dû passer ça? Non. Bah ouais. Ah oui, je suis mort moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ouais. Ah, il a regardé le parc. Non, du tout. Non, non, la cour. Mais tu vas reprendre ce poste. Mais ça sert à rien, gros gars. Attends. Break a dance. Mais non, j'ai enlevé la stand. Ah. Faudra que tu la remettes parce qu'il y aura un TB après. Plain West. Et au cac. Pourquoi t'as fait ça? J'ai inventé. Ah, tu veux ce que je veux pas parce que. Mais non, mais je voulais pas qu'elle se gâté quoi. Je voulais pas. Bah, attendez, écoutez-moi. Non, mais écoutez-moi avant. Mais écoutez-moi, j'ai. Bah, allez vous faire enculer alors. Rami Garuda. Non, en vrai, je voulais pas qu'elle se tourne tout de suite, c'est tout. Donc là, t'attends. Donc tu regardes quel est ton lien et tu te remets là où on est après. Ah, mais. Attention, Nidox. Ouais, oh là là. Oh ouais. Maintenant, tu peux bouger. Je peux pas. Ah ouais, c'est le drame. Ouch. J'étais en dehors, mais bon. Attends, je te ken. Ouais, bon, c'est pas possible. Pourquoi ça passe pas? Ah, non, mais là, les tanks, ils sont pas dedans. Là. Non, désolé, on peut pas être bon tous les soirs. Hein, c'est... Bon, ou tous les deux. Bon, une fois dans la semaine. Ouais. Oh putain. Non mais j'ai un petit, si tu veux te concentrer quoi. T'es paqué. Et l'autre c'est limite il marche pas comme ça pour se mettre devant le boss. Regardez, je me casse. Ouais, en vrai je me cache, le matin. Je suis même pas venu gros. Tout ce paquet là. Il m'a tué. Allez, on se met un petit doigt dans le cul là, on y retourne. Non bah attends, on va y aller tout de suite là, on va éviter ça. T'as juste joué debout pour la peine moi. Ah bah c'est plus ça il passe. Faut que je supprime le stream après parce que là je pense qu'on finit en cabane. J'espère que ça aura, oui je la garde pas. Hein. Wow, oh merde. Ah ça va, on lui a pas donné les droits, j'ai failli poser la question. Il joue pas lui déjà? Mage rouge. Non. Il est de quel serveur? Il est sur Odin, je crois. Ouais, il est sur Odin. Ouais. Ok. Non, t'inquiète, c'est pas quelqu'un de KO. Pas encore. Oh, ça va être chaud, puis moi avec mes blagues donc. Bah, ça c'est pour ah non, même pas prohibé. Ah ouais gros, non mais moi je vais pas, ça va être compliqué, il va falloir qu'ils y fassent. Il y en a qui acceptent quand même, hein. Ils sont pas trop. Ah bah oui, ils acceptent, ils prennent, puis ils prennent. Ah tu vas entendre des bruits bizarres. Ah oh, j'ai fait l'enculé, tu vas entendre. Il va falloir qu'ils y fassent ça parce que le mec il va y faire. Tu sais, je pense qu'ils ont plus l'habitude que les hétéros de se prendre des vieilles blagues comme ça. Oui. En vrai.
En plus, il stream, ça va être un enfer, ça. Hein. Ah, il stream ? Oui, stream. De la concurrence. Voilà, il est tué, alors c'est bon. Bon, oh là là, ravi de vous avoir connu. Hein. Ouais, moi, j'ai le pouvoir de la e-girl. Ouais, tu sais, si le mec c'est un femboy, t'as plus trop de pouvoir à ce moment-là. Ah, ouais, c'est vrai. Grave, j'avoue. Le mot interdit. Ah là là. Ça va être viril tout ça après notre départ. Vive les non-binaires. Quel départ ? Vous partez ? On va raid en non-binaire, ça va être sympa. Non, t'inquiète. Je vais l'hétéroliser, mon mec. Non, mais. Oulala, c'est des chimiques, ça. Non, non, mais en plus, ça, déconne pas, il y a un skill sur le jeu l'hétérolyse. C'est une dérobade, mais c'est l'actualité en fait. Comment ça? J'ai mal imaginé le truc, mais. Ah bah, moi qui voulais voir les mèches le soir, bah tiens. Oh non, fils. Tu voulais voir quoi ce soir, l'orange? Ouais, non, j'ai pas fouillé. En plus, c'est à la fête, mon dieu. Oh mon dieu. Non. Oh, c'est vrai. Ah bah voilà, tout s'explique. Ah non, mais après, lui va prendre les 20 cm, tu lui mets ça. La lapelle est 20 cm 1 mètre, c'est chaud là. 20 cm, tu lui caresses le cerveau, hein, tu l'entends. Il y a Marine qui me regarde, elle est choquée. Je crois elle a mute le micro et tout. T'as vu ça où, parce que. Mec, il va pas comprendre. Vincent ? Mais Vincent qui ? Vincent tu Oh putain. Non mais Bernard. Ah putain, Bernard ! Ouais, t'es vraiment. Eh bah voilà. Ah, j'étais le plus proche. C'est pas tu ma faute. Tu mens. Oh la tête de ma mère, la reine Var. Oh le bâtard! Regarde! Voilà, regarde! Et elle dit voilà! Elle dit voilà! Non, mais en vrai, de vrai, en vrai, de vrai, regarde! C'est bon ça, mais c'est bon, je m'en bats les couilles, gros, ça va! Non, mais comment on va faire avec lui là, quand même, aussi là? Je peux pas, mec! Moi j'ai pris le premier kill, là, forcément! Non, mais même juste, j'en ai plein le cul, ça passera pas en fait! Bah Non mais il va dire attends j'ai pas attends je me suis pas vidé votre Oh là là. Oh là là. Il va se connecter tu ouais, vois. Ça va bien se passer. Oui c'est ça. Je démissionne. Tu vas entendre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bah je m'en remets bien sur mon siège là. Oh mais quel frère. Oh mon dieu. Tu entends des bruits de pute qui cloque et tout, gros. Il y a beaucoup de bâches de piscine dans cette guilde. Oh, le vieux bâche, je l'avais oublié, putain. Oh, c'est chaud quand même, oh là là. Il s'entendra peut-être bien avec Fufu, hein. C'est méga chaud. Ah, bah, c'est. Oui. En vrai, toi, tu tombes à les couilles, mais pour ta femme, c'est chaud, quoi. Comment ça? J'ai pas compris, je t'ai pas suivi, gros. Ah, pour la bâche de piscine, c'est ça? Ah oui. Ah, ça c'est vrai. Sauf si c'est la femme qui l'a dit que c'était le coup de la bâche de piscine. Ah! Décidément. Il y a Oda, les vieux temps. Bugué ou quoi? C'est pas les pires potes. Non, clairement. Enfin, pour l'instant, on n'arrive pas à évoluer, quoi. Ah, il y a des gens. Je déconne. Non, non, je rigole. Ouais. Trop de relâchement là. Ah, et t'hésites, toi ça te fait rire, tu t'en fous, c'est bientôt plus ton problème, toi. Ah, ouais, d'accord. Bon, un peu quand même, mais.
J'aurais dû demander des chèques de caution avant de votre arrivée dans le groupe. Grave. Ma parole. Je l'avais dit au début. On l'avait dit en plus avec le navire. Non mais sans déconner, hein. On l'avait dit en salof. On avait demandé ça, ah ouais, mais... et un certificat médical. Et je te jure, c'est vrai. Parce que certificat médical, ouais. Ah bah ça complètement, mais chèque de caution, je pense que... Ouais. L'autre, il va t'envoyer 1500 balles, tu veux faire un seul tout compte, il va en récupérer 120 euros, il va rien comprendre. Ah ouais, mais mec... Tu seras perdant sur tes kebab canettes, là. On est bien au DPS, là. Ça peut être un clair, ça. Oui, monsieur le Redlit. C'est en vrai, hein. Sérieux ? Faites pas de la merde, ça peut être un client. Ouais. Tu vas nous payer, le gros. Guira, t'as vu la lumière. Mm-hmm. Le petit pourcentage. Très tôt. C'est là où je suis bien content d'être passé sur les 520. Ouais. 520. Ouais, j'ai lâché mon exarchat pour avoir plus de vie, histoire de... Ah, le Supra cas où... Ah non, le Supra, je l'ai gardé, par contre, faut déconner. Ah oui, parce que oui, oh, t'es 17 millions... Ah non, j'ai juste pris, j'ai juste passé les 520 et je vais up avec les... J'en ai plus. Avec les trinkets. Enfin, avec les fibres et tout, quoi. Déjà quand tu m'as dit que t'allais pas le vendre, j'en ai pas dormi pendant 2 jours. Imagine, t'achètes un Supra et t'arrêtes le sadique. Je me suis sûr, Bernard. Oh putain, chaque fois. Oh là 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 là. J'en ai 2 fois d'affilée, gros. J'étais plus près. Il vient de frapper là où ça fait mal, Johnny, je pense. L'unit, je pense. Il vient de faire quelque chose, ça donne à méditer quand même. Non mais en plus il arrête pas le sadique, François, c'est pas grave. Non, il arrête pas le sadique. Ah non non. Non, on est trop nul pour lui. C'est vrai. Non. Il a des objectifs beaucoup plus ouverts que nous. Il veut finir, hein. Voilà. Différent. Bon, différent. Ouais, différent aussi. Toi, tu t'es en tant que joueur, en tant que joueur, tu t'es un touche à tout, quoi. Contrairement à d'autres, ça c'est sûr. Bah, contrairement à moi, déjà, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on peut toucher à la 535, vous pensez? Quoi? Parce que là, pour la fin, la 535, elle est loin. Elle est en construction. On doit avoir le pommeau, là. Oula. Bon. La tassora qui débarque sur le vocal. À quoi? Ah, non mais putain. Ramu Yaruda. Putain, il saoule avec Ramu. Je peux tout le temps être au corps à corps. Tu peux, gros, hein. C'est ce que je fais depuis le début, hein, partout. Hein. Moi je fais du... Tiens un peu tôt là. Je fais de la glissade, moi. Franchement, la safe zone est plutôt large. Oh, abusez pas non plus. C'est quoi, tu te mets derrière le marqueur un peu? Ouais, c'est ça, à mi-chemin, ben ouais. La partie extérieure du marqueur, ouais, ça passe. Ouais, je tente, quitte à mourir. Sans se arriver de mieux. Franchement, Max Frank, tu détectes et c'est bon. Ouais. Je vais m'entraîner en normal, ok. Tu l'auras pas en normal, je l'ai fait tout à l'heure avec avec Aladri et ça te mettait une vieille. Non, ça te mettait juste une AOE d'une seconde pour le coup. Ah. Thank you.
ceux-là et je fais de la merde. Je me raise. Ah bon bah non. Non, d'où ? Oh le raise il est instant quoi. Non, j'ai spammé le... j'ai spammé la direction inverse là, même pas ça. Lunit, regarde où je suis en fait. Ah, bah là je te vois plus mais. Attends, je crois que je peux me positionner direct. Je vais devoir mettre une touche de backpad juste pour contrer vos secours là. Ici c'est safe. Backpad t'es où là? Tu vois en fait t'as le truc avec les ronds, bah genre je me mets là et c'est bon c'est safe. Ouais c'est ça. Moi je me mets sur le côté, je fais des pas chassés. Parce qu'à compte les petites croix sur les skills elles disparaissent. Genre là c'est ok genre? Ouais là t'es ok. Franchement c'est large hein. Toi. C'est bon? Yes. Y a des fois je me place vraiment à l'arrache et ça passe, je fais bon bah ok c'est bon. Bon après entre deux GCD, un petit avancée ouais, recul ça marche aussi. Ouais. Si tu veux vraiment être sûr et certain. Ramu Léviathan. Eh ça passe. Oh merde spread gros. Ah oui c'est vrai. Non mais t'inquiète. Oh, tu comprends, tu comprends ce qui m'arrive, tu vois. Il m'a fait une dinguerie. C'est bien joué, bien joué. C'est les... voilà. C'est je me suis dit, il va bouger, il va bouger. Il va pas bouger. Oh là là. Non, mais au moins c'est bien, c'est fonctionnel. T'es. Après, ouais, non. J'ai les bras croisés au calme. Bah, y'a pas, ouais, y'a pas assez de marqueurs. Hein. C'est dommage. Bon allez go. Qu'on voit les lions là. Tu les as vus une fois, c'est chaud. Allez, 40 minutes pour inverser la tendance. J'avais pu savoir ce que c'était. Putain, trop long. Merci. Ah. Ah ouais, bah bon, on peut y aller. La hein. Oh. Ah putain, j'ai failli ne pas tomber. Pourquoi j'ai... Putain, bâtard. Ah. Pourquoi moi? Et ça, t'as fait une macro ou... Tu cliques non, c'est... non, c'est... Je te clique... Je clique sur toi et après, à la souris, je clique sur le secours en tombant. Tu vas retourner sur ta PS4, toi, tu vas voir. Putain, quelle idée d'avoir mis un PC dans les manus, ça va être encore pire, maintenant. Bah, je faisais pareil sur PS4, hein. Ouais, mais là, je sens que je vais être visé, bizarrement. Bon, de toute façon... Je vise que ceux à qui ça casse le plus. Non, en vrai, ça me fait...
D'ailleurs, il y a toujours la tête et le contrat sur la tête de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. Mais elle est souvent en train de lécher le sol avant tout le monde, alors. Ah. Attends, on parle de qui là? Ah, il y a qu'une meuf, donc bon. En termes de elle, on n'est pas forcément diversifié. Non, mais je pensais elle, je pensais que parler de la personne, tête. Ouais. Ouais, je voulais parler de la tête. De quoi, pardon, parle à moi. De rien. Je suis perdu. Assure-toi, ça va bien se passer. Je t'appelle Enleia. Et tu aimes Vira, jouer tu vas à prendre cher. Vira, tu vas prendre cher. C'est où derrière, devant? Ah bah, je sais pas, tu parles de quoi là? On est plus sur Ronzé, ça, donc tu fais ce que tu veux, mais. Oh. Oui, j'ai pu comprendre. Ah ouais. Non, mais c'était un peu long. Ouais, non, mais c'est. Je suis concentré. Ouais. Il y a eu Russora, il aurait dit non, ça m'intéresse pas. Je laisse au prochain mage en jeu. Que tu vas économise-toi, Lyra. Hein. C'est... Arrête de DPS, le jeune ton malin. Respire. Ah ouais, Lyra, il est en train de heal avec son sang. Là. Mort ouais, pas quelqu'un là. Quoi? De quoi? Il y a de la... Oh bah, je vois pas de quoi vous parlez. Salut. Pourquoi vous êtes tout seul là? Qu'est-ce qui se... Putain, merde. La soirée de l'enfer. C'est tellement bon, bien que... J'ai vu une animation de sa pendeur, je me suis dit tiens, j'ai un nouveau sort. Il sert à ça l'autre côté du tranchant. Non, désolé, je sais pas ce que j'ai ce soir. Là, franchement, vous pouvez me jeter des tomates sur moi, là, y'a pas de problème. Ah, c'est un truc que vous faites. Jetez-moi des tomates. Shane. Et c'est un est-ouest ou pas? C'est un nord-est-sud-ouest. Oh, sérieux? Moi je me suis couru là-dessus, oh le bâtard. J'accuse. Ça partage. Partage. L'unique. Lui, il voulait ramener ou sabotage, on y revient. Je pense qu'il veut faire un petit truc d'énorme, mais je pense qu'il veut être solidaire avec son war. Ça va mal finir vos histoires de secours, je préviens les gars. Ça va grave mal finir cette histoire. Demain, il va se pointer chez toi, il va t'attacher après la tâche caravane. Il va te traîner sur 20 mètres, tu vas rien comprendre. On la dérobade d'arriver pendant un raid à un Tempester. Oh mon dieu. C'est pas une dérobade qui est partie. Si, si. T'as dérobade quand même. Ça sert à rien. Ah ouais, oh, t'as raison. Surcoté. Tiens, je te la rends. Non, bah, on peut pas voir des raids comme ça, les gars. C'est assez compliqué là. On se mentons. Allez, ah, assister. Oh putain. Ça, c'est vraiment le château. Il y a une augmentation de mercure dans l'eau en France ou quoi là? Ça se passe comme ça. Ah oh, putain. Les mecs, ils ont sniffé les poils des chats. Oh putain.
là. Non, mais c'est rare que y a de la soirée détente, quoi. Oui, non, non, en vrai, c'est. Oui, non, c'est sûr. Non, mais tu sais, je pense que c'est un peu comme les fins d'école, tu sais. Vu qu'il y en a qui partent et tout. Ouais. Non, non, mais à la base, ça soude le groupe, mais vu qu'ils se dispersent. Tu sais, genre, enfin, genre, c'est notre pot de départ, tu vois. Je crois qu'il y en a qu'un que ça fait pas rire, c'est Luni, désolé gros. Franchement. Hein? Désolé, en vrai, là j'aide pas là. C'est un mot qui a été éteint. Le JPP éteint. Ah, il va pas me lâcher, hein, je le sais. Bah non, mais si, c'est toi qui vas me lâcher. Une fois que j'avais de l'affection pour quelqu'un, ça te déchire. Un petit bout du gros cœur, pas voilà jamais. Ouais. RTC t'es triste. Condoléances à la famille. C'est bon, je suis là. Je suis là, les copains. En vrai, je change de probation. Wallpat. Lui, ça fait plus le fait exprès, c'est pas possible. Oh, je... Vous me rendez ouf, les mecs. Lui, on lui dit rien. Ouais, ça m'arrive une fois sur 50. Oh, mec. Oh là là. Regarde, ça passe en plus. Au calme, regarde. Pas de pression. Ah non, parce que du coup... Ah si, ça va. Si, si, ça passe, t'inquiète. J'ai galéré à péter mon lien, quoi. On l'a déjà fait, ça. Ah, j'appuie sur Z comme un connard. On l'a déjà fait. J'étais sûr qu'on s'est retrouvé qu'un pot d'étonne et tout. Bro. Là, je lui ai enlevé la couronne, non. C'est pas possible. Oh putain. C'est une couronne de mentor qui font cette couronne de mongol. Hein. On peut faire une pause. Je lui ai enlevé la couronne, je vais mettre un coup. On repérait bien le nord et sud. Je l'étais de la oh là là. C'est un éternuement ça ou... Le mec qui se fait des coups. Non mais il était... Non bah c'est bon. Je crois que c'était NDA qui streamait petit éternuement pour avoir 30 euros. J'en fous rire, j'arrive pas à m'arrêter, putain. Hit. Non, c'est moi qui fais de la merde. Pardon. C'est moi qui fais de la merde. Putain. Oh là 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 là. J'arrive pas à me concentrer, putain. Trop fois d'affilée, toi, le voir. Faut falloir. Mais tu fous de ma gueule. Ah, mais j'ai pété là. Franchement, les heals, ils déconnent ce soir. Hein. J'ai mal aux abdos dans le dos, gros. Oh le con. Je suis en train de chialer. Putain. Oh merde. J'ai mal aux abdos dans le dos. Oh putain. Attends, mais 27 janvier, je vais allumer le ventilo, quoi, c'est un truc de ouf, tu sais. Désolé, les voisins. Oh la vache. Oh, c'était un moment fort, ça. Oh la vache. J'arrive, je vais me changer. Ah, je m'enchaîne, laisse tomber quoi. J'ai un mélange de larmes et de cheveux sur la gueule. Allez, on se concentre. Bien sûr. Vous avez assez salopé la soirée comme ça.
Ah, t'as fait tomber une assiette. T'es tombé par terre, je crois. Et bon, ça sera pas ce travail le client. T'imagines, est-ce que tu imagines, c'est le trail du clear. Oh là là là. J'ai du mal là, je vais pas te mentir. Je serais doué avec un œil gros. Je suis au bout de mes poumons quoi. Non mais les autres qui rigolent en arrière-fond là. Ouais, moi, je suis sérieux quoi. Ah mais il m'a tué putain. Oh là là. Ah bah moi je suis en vie là, c'est pas moi, c'est Tolvar et Lunita. Non, je suis parti tard aussi, c'est possible que j'ai tué C'est possible que j'ai tué l'unité et que l'unité t'ait tué. Donc bah t'es resté à proximité de l'unité. Non, c'est Tolvar, il a mis un peu de temps à... Merci. À s'éloigner. Non, c'est même pas ça, c'est j'ai l'autolock sur le perso et j'ai Ilshoni qui était à l'opposé, et ça m'a fait courir vers lui au lieu de courir vers l'extérieur. Ah. Bah attends, pourquoi Chenille il était... C'est la faute à Chenille. Il était trop low, il lui manquait 20% PV, il aurait pas survécu. Mais je m'attendais pas à ce que mon perso refuse de courir dans mon sens. Allez. Ah, oh putain, moi j'ai coincé, abusé. Oh ça peut le faire hein. Non ça le prend pas, ils sont morts. Oh. Ah c'est truc de fou. Dira t'as pas autant groupe ou... Qu'il est même pas fait encore. Ah ouais, il quitte le navire. Ah non, là ce soir c'est... Ah.
Priez au sud-ouest pour les Narok. Salut à Tangaroza. On attend le Red Wild et ensuite on la met au sud. Ramu Garuda, donc ce sera un terre cardinal au bord. Sur 3.
sur 4. Oh. Attaque à Nal au bord. Stocké. Ah, au bord. Oui, putain. Oh putain, trop. C'était bord du boss. Ouais, moi aussi, ouais. C'était pas le bon bord. Il y a peut-être une LB3 heal qui va passer. On sera ouais, bon. Non. Je vais mourir, mais ça peut quand même. Ah non. Donc, Eschar, c'est tendu quand même. Ah oh. Mais. Dommage. Non. Si je me mets à confondre Ramu et Léviathan, on est pas dans la merde. Je suis parti trop en diagonale, j'aurais dû suivre le contour de l'arène aussi. Ramu Léviathan. Ouah, j'ai abusé. Bon bah ça va être complexe. Ouais. Excusez-moi. C'est bon, t'inquiète. Bon, tu sais où pour on en est. Allez, il est 23h30. On est plus à ça après.
pourtant il a pété, non? Bah ouais, vu que t'es mort, mais... J'ai voulu m'éloigner du glaçon. Ça va, je peux paniquer. Ouais, non, je peux pas. On va arrêter là, je pense que tout le monde est un peu sorti du fight. Pas perdre trop de temps. Bon, demain serait bien qu'on practice un peu plus les lions quand même. Yes. On les a vu une fois quand même. Ouais, bon, après voilà. Quoi. Ouais. Je déconne là. Il y a des sons de bon. Essayez de quand même bien mater la vidéo, qu'on perd pas trop de temps dessus. L'info qu'on a loupé ce soir, faut qu'elle soit rattrapée par de l'étude de vidéo quoi. Regardez bien, les seules erreurs qu'il devrait y avoir, ce sera des trucs de timing à la limite, mais faut pas qu'il y ait de remplacement, faut que tout le monde sache qu'il a à faire dessus. Comme ça au moins on perdra pas trop de temps dessus à cause de ça. Et puis voilà. Yes. Voilà les Walou. Yep. Ça roule. Yes. Ok. Bonne soirée du coup. Ouais, ça va. Demain tout le monde. Merci pour la soirée pour le fourrir. Hein. ouais, putain. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça, tiens. Fais du bien. Ouais, allez, bonne soirée tout le monde. Salut. Salut, salut. Coucou. Il est là le père Aladri. Oui, je suis là. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, bon, gros fou rire ce soir, mais... Ah bon? Ouais, on a bien rigolé. On a pas avancé, pour le coup, mais... Ah merde. Ouais, on a bien rigolé. Bon bah c'est bien. Ouais, sinon bon, vous êtes amusé. Ouais, ouf. Pas forcément bien, bien... J'imagine que l'UNIS doit être en colère, mais... Non, du tout, bah... Voilà, grognon, tout du monde. C'est bien passé, vous? Ça va. Ça va, ça va. On est arrivé, on a fait plusieurs fois la phase des plateformes. Il y a même deux fois où on en est sorti. Enfin, ouais. Un d'entre nous est sorti. En tout cas, un tank, sous un vul. Mais globalement, oui, on a avancé, on a appris, on est plus à l'aise, ça se passe beaucoup mieux. Maintenant, c'est surtout les déplacements sur les plateformes qu'il faut qu'on travaille. Ouais, j'imagine. On en est là, donc c'était surtout ça. Mais si on arrive à bien déplacer, juste à bien faire réagir les gens sur le timing des plateformes, en théorie, on passe la phase. Ce sera bon. Ensuite, ce sera plus qu'une question de DPS et de survie aussi. Ouais, bah, j'imagine. Que les gens ne meurent pas trop, moi y compris, parce que je fais n'importe quoi à certains moments. Bon, par contre, là, j'étais beaucoup mieux en termes de DPS. C'était bien, ça. Bon, on va tourner. Je tournais plutôt à 7-9%. C'était pas mal. C'est cool. T'as les logs ou pas? Ouais, j'ai les logs. Pourquoi? Tu les veux? Je suis au moins jeté un oeil, non? Toujours intéressant. J'ai fait combien de travail au total? Une vingtaine? 28. Ouais. 28. T'es là. Là, c'est des logs. Nous, je gardais, c'est ça? Je te l'ai mis en... Dis-moi si c'est celle-là. Bah, bouge pas, je te l'ai fait.
Voilà, sur la moyenne de tous les trails, je suis à 7,82%. C'est déjà mieux. C'est pas parfait, loin de là, mais c'est déjà mieux. Bah, c'est pas mal. Faut viser plus ou moins 100k DPS. Enfin, en fait, faudrait que je sois plus proche de 9-10% que de 7-8%. Mais... Ouais, bon, après, sûr, ça va être progressif. Puis avec le stuff, ça va bien aider. Hein. Déjà, faudrait qu'on arrive à faire le combat en entier. Ouais. Une fois qu'on le fera en entier, ça passera mieux. Après, là, il m'a fait une moyenne de tout, donc. Ouais, alors en fait, t'as la moyenne de tout, mais si tu fais all wipe, tu vas avoir la moyenne de ouais, tout. Bah, je suis là-dessus. Ouais. Mais sinon, après, tu peux avoir les détails. Ouais. Tu peux avoir le détail de chaque try. Plus long try. Ça doit être le 20. 4 minutes 43, le dernier. 21e, 28e. Ouais, le dernier, c'est tout le temps comme ça en général. Non, 4,54, le 23e. Ah. Qui était plus long. Ok. Après, on était un peu à l'arrache, celui-là. Il était compliqué. Oui, bah oui. Mais sinon, ça allait. Bon, bah si toi t'as progressé, c'est toujours bien. Oui. Bon, pas que moi, mais à peu près tout le monde a progressé. Bon, c'est cool. Ça dérange pas. Pas du tout. Non. Je vais voir si mon jeune Padawan s'en est sorti. Oh bah tiens, oui. Je vais regarder les logs avec lui. Là. Alors, oui. C'est quoi? Je suis en moyenne sur tous les trails qu'on a fait, je suis à 7,80%, un truc comme ça. Bien. Ce qui est beaucoup mieux qu'avant. Ah ouais, clairement. Et du Gatsu, coup... il a senti une diff ou pas du coup? Ouais, on a refait un petit ajustement parce que justement je faisais trop de dégâts au début et pas assez de heal, donc je suis revenu un peu plus sur le heal et je diminue un peu les dégâts. Ouais. Du coup, on est encore en train d'ajuster, mais là sur les derniers trails ça se passait nickel, on soignait parfaitement les gens, il n'y avait pas de soucis. De toute façon, ça va se faire tout doucement, hein. C'est, faut que vous appreniez déjà à bosser en équipe, après vous allez peaufiner votre truc. Tiens. Tout en douceur, quoi. T'as les logs et t'as les analyses. Alors, je vais regarder ça, je termine mon... Attends, oh non, c'est fou. C'est bien marré, nous, ça, en tout cas. Oh putain, la vache. C'est quoi, il y avait des gros... pas parce que j'essaie de me concentrer sur l'huile, mais des fois, quand tu m'entendais rigoler sur de la merde, c'est parce que je contenais tout depuis tout à l'heure et... ça sortait, quoi. Oh bah y'a des soirées comme ça, hein, faut se laisser un peu aller. Oui. C'est bon, du coup vous avez réussi à trouver alors du coup le remplaçant Ouais, y'a mon pote qui est revenu et puis y'avait Andrin. C'est concluant pour le type Envin, là, il serait chaud pour rejoindre le groupe ou pas alors? Ouais, si j'ai bien compris, là ils en ont parlé un petit peu, il serait chaud effectivement pour venir, c'est juste que ses horaires font que, par exemple, demain il peut pas partir après 22h, parce qu'il commence à 5h du matin. Mais... Ouais, bah oui, normal. Mais du coup, je crois que demain on fait 21h-22h, on fait une heure de travail avec lui. C'est cool. On fera qu'une heure, mais on va essayer de caler ça, et puis... Ouais, c'est à vous de ménager le... C'est ça. Donc, globalement, les gens préféraient faire une heure de trail sûr avec lui, plus le temps de pick-up anglophone là, qu'on a, plutôt que de chercher un tank pour peut-être faire 2 heures de trail, mais... Mais voilà. Parce que là, il y avait qui avec vous ce soir, du coup hein... En tank, je veux dire. Théolt, qui est un anglophone qui en est plus ou moins au même point sur 9S parce qu'il avait arrêté le jeu en fin d'année dernière, début d'année, donc il est en train de découvrir les plateformes comme nous, sauf que lui il est fait en PF en plus, donc il s'est entraîné un peu plus que nous. Et il y avait un pote à moi qui est venu dépanner à la base, mais qui, comme il est assez disponible, il va peut-être
aider un peu plus souvent. Ouais. C'est gratuit. Donc, suivant les trails, c'était plus ou moins la panique, donc je fais plus ou moins d'erreurs de weaving, des trucs comme ça. Mais... Ouais, mais ça, comme je t'ai dit, c'est normal. Hein. Oui, c'est le bordel. C'est la base. Hein. Justement, au contraire, si tu te rends compte que tu as fait des erreurs de weaving, ça veut dire que tu sauras où t'en fais, pourquoi t'en fais, et comment ne plus en faire. C'est ça. Là, pour le coup, le HL, c'est en faisant des conneries que tu vas capter vraiment le meilleur, la meilleure manière de faire. Hein. Là, sur 12S, tout à l'heure, j'ai fait une connerie, ça s'est pas vu. C'est pas mal quand ça arrive. Ça. Voilà, globalement, on a, comme je disais, Attica, on a avancé sur. Ouais, vous en êtes où du coup d'ailleurs sur les plateformes là maintenant? On est sur les plateformes, ouais. Alors, quand le groupe veut bien, on est sur les plateformes. Quand le groupe fait n'importe quoi, plus compliqué. Mais globalement, on est sur les plateformes et on a pu commencer.